Mesdames et messieurs, bonsoir. Je salue donc l'ensemble du conseil municipal présent, ainsi que les bourgeois qui nous regardent donc derrière leur petit écran. Je leur souhaite également le, une bonne soirée en notre compagnie. J'en profite pour renouveler donc à toutes et à tous mes meilleurs voeux pour cette année 2022 qui commence dans un contexte un petit peu particulier. Mais voilà, j'espère que tout ira bien et que nous aurons enfin une année. Parfaitement euh, normal. Donc, je vais donner la parole à Madame Roux pour qu'elle procède à l'appel des élus présents et mentionner ceux qui sont en visio. Merci. Alors, Monsieur Chalopin, Philippe. Présent. M Monsieur Culerier. Madame Boulettro, Monsieur Boyot. Madame Belleuil, Présent. Monsieur Rabouin, Présent. Madame Bignardi a donné pouvoir à Madame Belleuil, Monsieur Ouvrard. Présent. Madame Nollet, absente. Monsieur Gaudet? Madame Girard? Présent. Monsieur Girard? Présent. Madame Ballet? Présent. Madame bourrigaud, Absente. Monsieur Laborde? Présent. Madame Sanson? Présent. Monsieur Marie? Présent. Madame Legrand? Absente. Monsieur Leclerc? Présent. Monsieur bitot Monsieur Nolet, Monsieur Farino? Absent. Monsieur Vanyu-Venise, présent. Monsieur Lambert, absent. Monsieur Amar, Madame Tessier, absente. Présent. Madame Revault. Madame Carré. Présent. Madame Deschamps. Présent. Monsieur Jaucher. Madame Chapeau. Présent. Monsieur Vasselin a donné pouvoir à Monsieur Gued, présent. Monsieur Rousteau Monsieur Godbout, Madame Fortin, Monsieur Bourillon, Madame Sibylle, Madame Pilardeau, Monsieur Gourin, Madame Nollet-Sophie a donné pouvoir à Madame Tessier, Madame Tessier est absente, Madame Garnier, Monsieur Pinson a donné pouvoir à Madame Ballet, Madame Hubert, absente, Madame Gélinot, Absente. Monsieur Moreau Absent. Monsieur Chapelle Madame Brestot, Madame Brugnot, Madame Renou est excusée. Monsieur Pichery Madame Vincent est excusée. Alors, secrétaire de séance, Monsieur Gourin, s'il vous plaît. Très bien. Monsieur Lambert nous a rejoint madame Roux si vous voulez le noter. Très bien. Donc euh, bienvenue à, à vous tous encore une fois. Ce soir nous aurons un, un conseil municipal euh, très varié mais aussi extrêmement chargé. Alors, on a des personnes qui arrivent. Donc madame Bourrigo, si vous voulez bien noter. Voilà donc nous aurons ce soir un, un conseil euh, varié et, et chargé avec euh, des ordres du jour enfin des points assez, euh, assez divers un point important consacré donc euh, à l'environnement nous aurons donc euh, dans quelques instants la présentation par euh, les représentants de la société par action simplifiée baugé agriméthane avec son président et quelques membres du bureau qui vont nous présenter euh, donc, euh, le, euh, le projet de méthanisation sur Beaujean-d'Anjou. Monsieur Ouvrard nous présentera un grand nombre de dossiers en matière environnementale, donc euh, toujours sur le, le dossier environnement de, de Beaujean-d'Anjou. Euh, nous aborderons un volet finance relativement conséquent, puisque nous aurons ce soir. Le débat d'orientation budgétaire, il s'agira de faire le point sur la situation de la collectivité et de se projeter à travers les projets. Donc, de 2022, nous aborderons avec M. culorier premier adjoint, les subventions aux associations. Vous constaterez qu'il y a beaucoup de reconductions que la ville, durant l'année écoulée, durant l'année 2021, a soutenu durant la crise. Toutes les associations et nous avons maintenu notre concours, ce qui fait que bonne nouvelle dans ce temps un peu gris, fait de grisaille, c'est euh, qu'aucune association bourgeoise euh, qui a présenté une demande de subvention n'est en difficulté. Donc toutes ont réussi à passer, je dirais, l'année 2021, ce qui n'est pas toujours euh, ce qui n'était pas gagné. Bon, la ville a maintenu ses concours. Je pense que ça a permis de, 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 de faire face. Nous serons toujours dans le domaine des finances avec des demandes de soutien de l'État. Vous verrez qu'il y a beaucoup de projets qui vont être présentés par Beaujolais en Anjou. Donc, euh, ça sera l'occasion aussi aux, aux différents adjoints et, et maires délégués en charge de certaines commissions de présenter succinctement donc, euh, les dossiers. Nous parlerons bien sûr Habitat et je dirais que ça va être un sujet assez récurrent. Euh, à chaque conseil municipal euh, s'invitera euh, le thème de l'habitat puisque euh, vous savez tous que le schéma de cohérence territoriale de la côte de commune va être prochainement voté euh, que notre PLU va être prochainement voté et que la côte de commune a validé euh, la semaine dernière lors de sa session euh, le euh, plan euh, local de l'habitat le PLH et quand on quand on cumule tous ces documents beaugé se voit affecter un objectif d'environ 60 logements nouveaux par an, ce qui représente sur dix ans un objectif relativement conséquent. et nous allons également se fixer des objectifs en termes d'accueil d'habitants, puisque l'idée est qu'à au terme du, du, du PLU, donc le PLU est lui sur une durée plus, plus importante, PLH également, nous, à l'échelle de 10 années, nous soyons à peu près 1500 habitants de plus sur le territoire de Beaujais-en-Anjou. -en Pour cela, il va falloir construire et nous allons construire et solliciter les, les constructions sur l'ensemble du euh, territoire. Les constructions ne seront pas bien évidemment concentrées. concentrées sur euh, la commune déléguée de Beaugé, mais bien sur l'ensemble des communes. Donc voilà, l'ordre du jour est relativement chargé s'ajoutera également des points sur euh, des points ressources humaines, bien évidemment. Alors, je demanderai, compte tenu de l'ordre du jour très chargé, que les intervenants euh, soient euh, synthétiques, pédagogiques et euh, très clairs dans leur présentation de manière à ce que, d'une part, il y ait un débat, et puis que, d'autre part, on puisse aborder sereinement, dans un temps, de, je dirais, euh, qu'on espère inférieur à deux heures, l'ensemble des sujets. Voilà. Sans euh, plus attendre, je vais donc. Alors, on a désigné les, le secrétaire de séance. Il me reste à vous faire approuver euh, le procès verbal de la séance du 13 décembre 2021. Y a-t-il des personnes qui sont. Euh, opposés, qui ont des rectifications, des demandes de modification sur ce PV. C'était l'année dernière, donc on a pu oublier un peu, pas d'observation. J'en déduis qu'il n'y a pas vraiment d'opposition. Je vous demande donc de vous prononcer. Y a-t-il des personnes qui sont contre, des personnes qui s'abstiennent Merci, c'est adopté à l'unanimité. Alors, nous avons en visio Madame Hubert, hein, puisque le conseil peut être suivi aujourd'hui en visio. Donc voilà, donc, je salue notre conseillère qui ne pouvait pas être présente ce soir. Voilà, je vais maintenant donner la parole au représentant de la société Bogé-Agrimétane afin qu'il nous présente. Et donc c'est son président, euh, M. Janus, qui va effectivement euh, présenter ce projet important. Euh, je demanderai aux personnes qui sont dans le bureau de la société Agriméthane de ne pas assister à la présentation qui va être faite et au moment où nous émettrons un avis, bien évidemment, de ne pas participer au vote. Donc, Vincent Voilà. Nous aurons la même la même démarche. Je crois Il y a Jean-Marie aussi, euh, Monsieur Rabouin également. Voilà. Tout ça pour euh, respecter euh, l'indépendance du conseil municipal et, et faire en sorte que les débats puissent euh, se dérouler sans risque de conflit d'intérêt. Pour les subventions, tout à l'heure, nous aurons la même démarche. Donc je demanderai à toutes les personnes, mais on fera ça dans l'ordre, que toutes les personnes qui ont un intérêt euh, direct dans une association, soit qui sont membres du conseil d'administration ou qui président du bureau, de quitter également la salle au moment. Où nous aborderons le dossier concernant l'association en question. Voilà, Monsieur Janus, êtes-vous prêt Bon, on va vous donner la parole. Donc, on s'accorde un quart d'heure, ça ira. Donc, soyez très clair. Je vois que vous êtes venu en force. Donc, vous êtes à trois représentants d'AgriMéthane. Donc, je pense que vous pourrez répondre à toutes les questions que, vous, que les conseillers peuvent se poser sur ce projet très intéressant. Vous avez la parole. Alors, on va simplement mettre la visio. Merci. Donc, bonjour à tous. Euh, on va vite euh, passer sur le principe de la méthanisation, la, la slide d'après. Donc, euh, la méthanisation, pour faire simple, c'est euh, quelque chose où on met tous les produits fermenticibles possibles. Dans un, ce qu'on appelle un digesteur, Donc, soit des effluents d'élevage, des tonnes de pelouse, des biodéchets ou ainsi de suite. On vous dira plus tard ce que nous, on veut mettre dans Bogé Agriméthane. Et avec ça, il en sort deux, deux choses. Le digestat qu'on on épand sur nos terrains agricoles ensuite et du biogaz. Et avec le biogaz, on peut faire soit de l'électricité, soit du biométhane. Et le projet de Bogé Agriméthane, vous l'aurez compris, c'est de faire du gaz. Donc, euh, le principe euh, alors très schématique, où on, euh, ce que vous voyez, c'est euh, nos cuves qu'on aura après de, de, de digestion. Là, c'est ce qu'on appelle un digesteur. Donc, on amène les matières organiques que l'on chauffe à 38-40 degrés, à peu près, qui sont brassées. Et euh, c'est les bactéries qui sont présentes naturellement dans, dans les matières organiques qui se décomposent et qui fabriquent le gaz. Donc, pourquoi Bogia Agriméthane est né? Quatre grands principes pour les agriculteurs associés de la SAS Bogie Agriméthane. c'était la création d'un nouveau revenu pour les exploitations, Alors, soit en, par la vente de gaz, en ayant de nouveaux bénéfices, soit par la, la diminution des charges, en faisant notre, notre plan d'épandage en commun pour les exploitations. C'est aussi gagner en pénibilité. Donc, euh, le fait d'avoir le plan d'épandage en commun nous, euh, nous enlève cette partie-là pour nos exploitations. C'est la SAS qui prendra en charge le transport des effluents et le retour au sol des, euh, du digestat. C'est aussi anticiper les futures euh, réglementations. La, la, la législation française évolue euh, toujours. Donc on a voulu faire une société pour pouvoir mettre en commun nos, nos effluents et aussi être capable de, de prendre les futures réglementations dans ce cadre-là. Et c'est aussi pour participer à l'installation des jeunes qui pourront être possibles dans les années à venir. Il y a un potentiel à peu près par, par, les, jeunes, par les associés de la SAS d'environ 5 à 6 jeunes au minimum. Et c'est aussi participer à la souveraineté énergétique, parce qu'on a tous notre mot à dire et la, la, la petite chose à faire pour qu'on consomme moins et plus local. Alors, qui sont les, euh, les exploitants de beaujolais Méthane Nous sommes 14 exploitations qui euh, travaillons les terres sur, euh, le, sur la commune de beaujolais vallée Beaujoua-en-Anjou, pardon. Euh, nous sommes tous éleveurs. Et nous souhaitons le rester, c'est une, euh, une des garanties et une, une condition de, de, notre, de notre société. C'est bien pour rester éleveur que l'on fait une société de Beaujolais-Riméthane. Ça représente à peu près une trentaine d'emplois directs, que ce soit les associés des GAEC ou des salariés qu'on peut, avo qu peut avoir dans nos exploitations. On a une coopérative qui, euh, qui va rentrer au capital de, de la SAS qui s'appelle M-TIT qui est basé à Beaufort-en-Anjou et qui produit du chanvre-semence. Le dernier point important, c'est que l'unité de méthanisation sera gérée par nous-mêmes. On ne fait pas intervenir une société extérieure style Veolia ou Suez. C'est bien nous qui avons la main sur, sur ce projet. Donc, bonjour à tous, je vais prendre le relais. Euh, Nicolas Marchand, je suis agriculteur sur la commune de Montpolin et je suis vice-président de la SAS. Donc euh, sur la slide là, ça représente euh, les exploitations euh, des associés, et le parcellé. Donc on voit bien que notre projet est présent sur tout le territoire de beaujolais -en euh, Ensuite, euh, c'est là seulement euh, qui est en place sur nos exploitations aujourd'hui. Donc euh, on a un quart de maïs euh, qui soit en silage, euh, fourrage pour nos animaux ou grains. On a un quart de céréales, un quart de prairies et un quart de cultures semencières ou autres. Et euh, suite à cet assolement-là, l'unité de métallisation ne va en rien changer notre assolement. Parce que le si peu de, de cultures qu'on va mettre dedans, ça va être des cultures intermédiaires, entre une culture d'été et une culture de printemps. Et aujourd'hui, la réglementation nous oblige à couvrir nos sols l'hiver. Donc on veut servir de ces couverts-là pour les récolter et mettre dans notre méthaniseur. Donc, euh, notre Monsieur unité... Marchand, rapprochez le micro ah. de. Voilà, Excusez-moi. Non, non, mais pour que tout le monde nous entende parfaitement. Parce que c'est très intéressant ce que vous dites. Donc, euh, notre unité va se trouver sur la départementale 766, donc euh, route de Tours. Euh, après le nouveau giratoire et avant la forêt de Chandelay, sur la droite. Donc, euh, pourquoi on a choisi ce terrain-là Donc euh, On cherchait un terrain déjà où le gaz passait à proximité. Donc, là, la ligne de gaz passe sur notre terrain. Un terrain où on allait avoir de la, une varie assez confortable pour nos transports. Donc, avec l'ARD, il n'y a pas de souci. Et un terrain où on n'avait pas beaucoup de riverains. Donc, là, on a cinq riverains qui sont concernés, dont deux à 250 mètres et les autres, ils sont à plus de 500 mètres. Donc, là, c'est un plan de masse de l'unité. Donc, on va commencer par l'entrée. Là, vous prenez le long de l'ARD 766. Donc à l'entrée, on a un pont bascule car toute notre matière euh, sont pesées à l'entrée et à la sortie. Ensuite, elles vont être dépotées dans un bâtiment euh, stocké et où euh, le, euh, il sera ventilé et euh, les odeurs seront filtrées. C'est important ce que vous dites, M. Marchand. Il n'y a pas de stockage extérieur Pas de, de matière organique. Il y aura juste des stockages de cives, des, des cultures qu'on va récolter pour mettre dedans. Et tout, euh, enfin, tout ce qui y sent, on va dire, sera dans un bâtiment fermé, ventilé, et où l'air sera traité. Donc Ensuite, on va reprendre nos matières dans le bâtiment fermé pour les incorporer dans notre digesteur et post-digesteur, les deux ronds qu'on voit sur le plan. Et euh, Une fois que le process de métallisation est fait, euh, la, le digesta sort du post-digesteur, il y a une partie qui est en solide et une autre partie en liquide. Donc, la partie solide, c'est du compost, plus ou moins, donc un produit sec et sans odeur. Donc, ça, il sera retourné directement chez les associés au fur et à mesure de la sortie du post-digesteur. Et la partie liquide sera stockée dans la partie jaune. Donc, on a une grosse poche souple de 6 mm3 sur le site et chaque adhérent aura une poche délocalisée sur son site d'exploitation pour être au plus près des épandages, pour gagner en temps d'épandage derrière. Donc, c'est dans des poches fermées euh, où il n'y aura pas d'odeur pas et euh, pas d'eau qui viendront se mélanger à notre digesta. Et on peut dire euh, le bâtiment euh, où on aura nos matières. On a un projet de photovoltaïque en autoconsommation qui peut représenter 20% de notre consommation d'unité. Bonjour à tous, donc, je vais me présenter euh, Thierry Gallet, je suis en grec avec mon épouse sur euh, la commune de Las. Je suis le deuxième, euh, également vice-président de la SAS. Donc, quelques chiffres, quelques chiffres euh, par rapport à l'unité. Euh, euh, on, va, on va mettre 20 000 tonnes d'effluents d'élevage dans notre méthaniseur. Donc, ce qu'on appelle les effluents d'élevage, c'est tout ce qui est fumier de vaches laitières, vaches à l'étang, porcs et tout ce qui est lisier identiques vaches laitières, vaches allaitantes et porcs. On aura également 4000 tonnes de cultures intermédiaires culture intermédiaire à vocation énergétique. Ce sont des cives. Une petite précision, les cives, ce sont des cultures qu'on implante, qu'on est obligé de faire par rapport à la directive nitrate. C'est une obligation d'implanter nos sols de façon à ce qu'ils soient couverts tout l'hiver. Et ça, je vais rapporter une autre petite précision parce que souvent, il y a beaucoup de gens qui confondent cive et une culture dédiée. Une culture dédiée, c'est un maïs, un blé, un tournesol qu'on peut mettre dans le méthaniseur à hauteur de 15%. Nous, on ne parle pas de culture dédiée, on va parler que de cive. C'est très important parce que par rapport au contrat de gaz, si on apporte des, des cultures dédiées, on a un pourcentage dégressif sur le tarif de gaz. Oui, ce que M. Gallet indique là, c'est vraiment essentiel hein, parce que la, la, la polémique qui sort un petit peu sur ces dossiers là, c'est que on, on, certains imaginent qu'effectivement, on va par exemple cultiver du maïs pour le mettre dans le méthaniseur. C'est pas du tout la démarche d'agriméthane. C'est uniquement, voilà, vous avez le détail, mais c'est important et ne pas confondre surtout les, ces cultures intermédiaires avec des cultures euh, classiques. Il ne s'agit pas de mettre dans le projet, on a eu beaucoup de discussions là-dessus, du maïs ou du, 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 des végétaux destinés à l'alimentation humaine. Oui, mais dans certains pays, ça existe. Donc c'est pour ça que c'est important de le, de le préciser. Juste pour compléter, c'est vrai que nous, on est de la partie on comprend assez facilement euh, qu'on a été présenté notre projet Alterénergie. Euh, il y a des personnes qui confondent entre une cive et une culture dédiée. Et on nous a reproché euh, les 15%, alors que c'était 0% et non pas 15%. Et ça, c'est très important. Hein. Et donc, euh, comme nous disait tout à l'heure, on a la COP de chambre de Beaufort-en-Anjou, -en euh, 600 tonnes. Donc ensuite, les, dé les déchets végétaux, les petits points d'interrogation, on est en train de négocier avec euh, l'ASAPL. Quand on moissonne euh, toute culture, que ce soit le blé, le maïs, euh, l'étoile de sol ou l'orge, il euh, faut savoir que quand on les trie, il y a du déchet. Et c'est ces déchets-là qui sont euh, des déchets issus du céréales. On va Pouvoir mettre dans notre méthaniseur Et également, on a rencontré la Comcom voir pourquoi pas mettre les tontes de pelouse par rapport aux déchâteries. Ça, c'est des discussions qu'on va avoir. Par contre, il faut savoir une chose c'est que si on accepte tout ce qui est tonte de pelouse de la déchâterie, il y aura un cahier des charges qui sera très contraignant. On ne veut avoir que la tonte de pelouse, on ne veut pas de plastique, pas de bois, pas de morceaux de verre. Parce que derrière, quand tout ça, ça passe dans notre méthaniseur, il y a des pompes, il y a des tuyaux, des circuits. On n'a pas envie que ça nous bouche notre circuit parce qu'il y a une, une, un morceau de verre ou un morceau de plastique ou un morceau de bois dedans. Ça, c'est très important. On peut être OK par rapport à la Comcom -com pour les tentes de pelouse, mais derrière, le cahier des charges, il décharge, faut qu'il soit draconien. Et ensuite, une autre précision très, très importante c'est zéro déchet d'abattoir. On s'interdit les bouts d'épuration, tout ce qui est biodéchet. En fait, derrière ça, il y a une explication c'est que si on met des déchets d'abattoir ou des bouts de station d'épuration, il faut hygiéniser. Hygiéniser, ça veut dire monter notre digestat à température entre 55 et 60 degrés. Et pour nous, ça nous met un coût supplémentaire dans notre projet et qui remet en cause la viabilité de notre projet. C'est pour ça qu'on s'interdit ça, c'est une première raison. La deuxième raison, c'est que dans les 14 exploitations, on a 5 qui font des cultures de semences spécifiques. Et les bouts de stations d'épuration elles sont interdites, tout simplement. Donc on s'interdit tout ce qui est bout de station d'épuration, tout ce qui est déchabatoire et tout ce qui est euh, biodéchet, tout ce qui est apparente à une, une, une obligation euh, d'hygiéniser. Euh, pour continuer, ça va être à peu près euh, 7-8 rotations de camions par jour. Il euh, faut savoir que 7-8 rotations de camions par jour, c'est l'équivalent que de 1% d'augmentation du trafic. C'est très important parce qu'on nous reproche déjà, euh, bah oui, vous allez avoir des camions, ça fait un, du trafic supplémentaire. Alors on s'aperçoit qu'à Beaujeu-en-Anjou, il y a quand même beaucoup de camions étrangers qui, qui passent. Donc, si on nous reproche euh, du transport en local, Et on se pose des questions quand même. Et pour continuer, ce <coughs> sera une injection dans le réseau de gaz à hauteur de 5, 122, 122 normomètres cubes. Euh, on a remis en équivalence. Environ 1 100 000 litres de fioul ou 250 foyers se chauffant en gaz. 2500 foyers se chauffant au gaz. Et donc, pour continuer sur notre projet, il euh, faut savoir qu'on coupe zéro arbre, on arrache 0 mètres de haie. Par contre, on a un projet d'implantation de 650, 650 mètres de haie. En fait, ces 650 mètres de haie euh, sont en relation avec euh, le projet Cossir. Euh, par rapport à la LPO, on est dans le périmètre des 99 km2. Voilà c'est l'explication. Donc, euh, On a rencontré euh, France Nature Environnement et euh, une personne de la chambre d'agriculture la semaine dernière pour voir quelles essences euh, mettent. Euh, nous on est prêt, après il euh, faut qu'on y... qu nous conseille quels arbustes mettre. Il euh, y a des arbustes par... qui donnent des petits fruits pour les petits oiseaux. Et ça la LPO ils sont euh, très très friands de ces arbustes-là. On va voir ça avec eux. Ensuite, est, on est également de le... pouvoir euh, d'avoir pu échanger avec la LPO ou, ou avec la, la FNE, la Fédération nationale de l'environnement, parce que ça, effectivement, ça peut permettre de, de verdir encore davantage votre projet. Donc, c'est une alors, bonne démarche. Juste pour rebondir, c'est que par rapport à la FNE, on a rencontré euh, déjà deux fois, et on a rencontrés au tout début de notre projet. Il faut savoir que ce le département on est les seuls à avoir rencontré vraiment au début du projet. Souvent, ils sont tenus au courant quand ils sont en consultation ou en enquête publique. Et souvent, la LPO, France Inter-Environnement, ils n'aiment pas trop ça. Donc, on a pu dialoguer assez facilement avec eux. C'est un très gros avantage pour notre projet aussi, il faut le savoir. Je reviens, on a également un projet de panneau photovoltaïque qui sera situé sur notre bâtiment de stockage des fluents d'élevage. Ça va représenter à peu près 20% de l'électricité consommée. En termes d'emploi, euh, nous, on se garde le monopole euh, de, de toute euh, la gestion de l'entreprise. Par contre, bien évidemment, il nous faudra euh, deux équivalents temps plein pour gérer euh, notre unité. Euh, deux, c'est un minimum, parce qu'avec euh, les vacances, euh, le... certainement du transport, mais en, en, en croisière, hein. euh, c'est le minimum. Peut-être après, on verra, euh, quand on aura mis en route, euh, comment on évoluera. Et puis, le dernier chiffre, c'est également euh, 2500 tonnes. L'équivalent de CO2 euh, évité par an. Voilà en gros euh, les chiffres clés de notre projet. Très bien. Donc, si en conclusion euh, de notre euh, intervention, euh, donc, ce projet s'inscrit dans le PCAET de, de Beaujois-Vallée. L'énergie qui sera produite sera consommée euh, localement. Euh, c'est bien sûr euh, le maintien dans nos, dans nos élevages, c'est euh, important, c'est pour ça aussi qu'on fait ce, ce, ce projet. C'est aussi de la création d'emplois, donc comme l'a dit Thierry, il y aura au moins deux emplois créés et à terme sans doute un peu plus, parce que au départ on externalisera le transport, le but c'est de l'avoir de pour nous à un moment. Avec, euh, comme je le mets plus bas, euh, la possibilité du transport avec un camion roulant en bio-GNV. La station sera à l'as Donc, en gros, à 7 km, ce serait, euh, ce serait quand même bien quoi, pour l'économie que le gaz que l'on produit fasse tourner nos camions qui, qui allons chercher le, les effluents qui produisent le gaz. Ce serait la boucle, ce serait enfin bouclé. On a un potentiel euh, d'un tronc agricole proche. On ne veut pas aller chercher à 300 km des choses pour faire du gaz. Ça n'a aucun intérêt. Ce n'est vraiment pas le but de notre, de notre démarche. Et bien sûr, on a un bilan des, des gaz à effet de serre qui est positif. Alors même si on rajoute un peu plus de transport par rapport à actuellement, le fait de récupérer les effluents le plus tôt possible dans nos exploitations, c'est ça qui fait les économies de gaz à effet de serre qui partent dans l'atmosphère seront dans le digesteur et produiront notre gaz. Donc voilà. Très bien. Merci de cette présentation synthétique, complète et, et très intéressante. J'ai je, je, reçu là, il y a quelques minutes, deux, deux avis déposés par des, des habitants de, de Beaugé en Anjou, donc, euh, qui se prononcent dans le cadre de l'enquête publique et de la... De la, la, la démarche effectivement d'information qui a été celle de la société Agrimétham. Donc, euh, une première, euh, je vais essayer de vous synthétiser. Bien évidemment, ces avis sont à la disposition de tout à chacun. Euh, pro, les deux avis sont favorables. Euh, donc, un, euh, le premier avis euh, évoque euh, effectivement cette démarche inscrite dans le cadre du PCAET de Beaujois-Vallée, le plan climat-air-énergie. Donc, ça, c'est plutôt euh, positif. Euh, auxquelles les citoyens ont été largement associés. Elle complète la personne en question en disant qu'il euh, faut effectivement euh, en, encourager ce type euh, de production puisqu'on devra euh, produire euh, en énergie verte sur le Bourgeois-Vallée un peu plus de 120 euh, GWH en 2050, voilà, kWh. Euh, ce qui est relativement important, et que euh, les investissements qui sont projetés par un gris méthane, c'est plus de 6 millions d'euros, donc ça aura bien évidemment une incidence aussi sur l'économie de Beaujois-Vallée. Et la personne poursuit en disant que la production d'énergie renouvelable sur le territoire est indispensable, car elle répond aux, axes, aux exigences des trois axes du développement durable écologie, réduisant les nuisances liées à l'émission de CES, de gaz à effet de serre au lexivia des effluents d'élevage, c'est économique également, et puis c'est social par le maintien d'une agriculture locale, c'est un élément qui paraît effectivement important. Alors il y a quelques remarques, euh, mais vous y avez euh, répondu euh, donc euh, sur la, 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 la production, sur euh, euh, l'issue de la méthanisation, etc., qui ont un réel intérêt agronomique. L'apport des fluents, vous l'avez également évoqué. Bon, alors, la seule, la seule réserve qui a été faite, c'est qu'il n'y a pas eu, euh, en fait, de, de réunion publique euh, pour informer euh, les habitants du territoire. Euh, et puis, euh, donc, la personne termine euh, le, son avis en disant que, attention euh, de ne euh, pas introduire trop de cives pour alimenter les méthanisateurs, méthaniseurs, mais vous y avez répondu parce qu'il y a une limitation à 15%, euh, parce que sinon il y a des problèmes d'eau, effectivement. Bon. Euh, le risque de trafic routier euh, et traverse de Beaugé, donc euh, vous y avez répondu avec les 6 ou 8 véhicules jour en plus. Bon, je rappelle quand même que sur la départementale qui vient à Bauger, euh, on est aujourd'hui à, à plus de 400 euh, poids lourds euh, jour euh, dans un sens, c'est 400 dans l'autre, ça fait 800. Donc vous voyez que 6 ou 8, alors c'est toujours 6 ou 8 de plus, mais je ne pense pas que ça, ça remette en cause euh, le, le, je dirais le, le caractère supportable de, de cette création. Euh, on évoque également des risques de pollution olfactive et, et fuite d'azote. Ça a été, vous y avez répondu en indiquant qu'il n'y aurait pas de stockage extérieur et qu'il n'y aurait pas de, de nuisance puisque les bâtiments sont traités pour capter les, les, les mauvaises odeurs. Donc voilà le, le premier avis. Le deuxième avis est aussi un avis favorable, euh, puisque la personne évoque ce projet a toute sa raison d'être et le dossier de demande d'enregistrement présente de réels points forts. Un projet non surdimensionné à l'échelle du territoire communal, projet piloté par des agriculteurs, valorisation de tout le gaz produit durant l'année euh, garantie par GRDF, capital de la SAS détenu à 100% par des agriculteurs locaux, les matières méthanisables sont d'origine agricole à 100%, lisiers, fumier, cives, etc. En termes de performance des bâtiments, aménagements, installations prévues sur le site, semble présenter de réelles garanties. Alors, quelques, euh, quelques observations, quelques réserves euh, pour euh, rappeler un certain nombre euh, de choses. Euh, donc, on parle de zones d'ombre susceptible de générer des interrogations, voire révéler des points faibles. Donc, euh, la personne nous rappelle que la méthanisation est une source d'énergie carbonée. Le carbone est présent dans le méthane, issu de la dégradation de la matière organique végétale. Donc, c'est très technique. Euh, la personne rappelle effectivement que le processus de méthanisation est vertueux, hein, effectivement, quand le carbone présent dans le gaz méthane est issu exclusivement de la matière organique renouvelable produite annuellement par les cultures. Donc on revient sur, le, sur effectivement la, la, la crainte que certains pouvaient avoir en disant, voilà, il faut vraiment utiliser les ressources euh, locales. Euh, il y a quelques suggestions qui sont formulées. Euh, C'est de réaliser un bilan humique, carbone et énergétique permettant de suivre, de contrôler, d'améliorer la performance technique et environnementale. Suivi agronomique tel qu'il est cité dans le dossier assure-t-il cette fonction C'est un point d'interrogation. Concernant la production de cives, cultures intermédiaires à vocation énergétique, il est précisé qu'elles induiront quelques modifications seulement dans les exploitations, mais je crois que l'un d'entre vous a répondu qu'il n'y avait pas de modification de seulement donc vous répondez là encore à l'observation. Euh, il est indiqué que les cives représenteront 20% de la matière brute fournie. J'ai pas compris ça, j'ai cru que c'était 15% tout à l'heure. Euh, Monsieur non, Janus C'est exactement ça, les 4 000 tonnes par rapport aux 20 000 tonnes représentent 20%. D'accord. Euh, le transport, euh, bon, de visualiser les cartes, les voies de circulation empruntées. Et puis, euh, la personne renvoie un rapport sénatorial intitulé la méthanisation dans le mix énergétique, enjeux et impact. Et donc, suite à ce rapport, bilan environnemental, etc. Donc, la personne invite à se reporter également à ce, euh, à ce rapport. Euh, sur le plan économique... Euh, euh, bon il est, il est question de répartition du capital entre associés bon il n'y a pas l'air d'avoir d'observation particulière Bon petite réserve sur l'information euh, avec une consultation qui s'est limitée euh, selon la personne au, euh, aux voisins les plus proches euh, bon il y a eu quand même une enquête publique hein, qui a été qui a été réalisée. Euh, je note d'ailleurs que ce projet, euh, personne ne s'en est caché, hein, puisque moi j'en ai parlé à plusieurs reprises, et qu'il a d'ailleurs été évoqué dans un projet beaucoup plus large que le projet d'Écossy-Ralas. Donc on avait, en fait, on avait évoqué, euh, il y a deux projets de méthanisation sur le territoire, un sur Bourget-en-Anjou et un sur Noyant-Village. Donc euh, on a évoqué effectivement ces points. Donc la personne, euh, voilà, ceci étant dit, voilà. Elle, 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 elle souhaite effectivement qu'on on établisse à l'échelle du territoire, élus, professionnels, citoyens, une charte énergétique, non seulement sur la méthanisation, mais aussi sur l'éolien. Je voulais rappeler que le conseil municipal, le précédent, s'était prononcé contre, contre l'implantation d'éoliennes sur le territoire. Et donc euh, cette charte pourrait également intégrer tous les systèmes concourant à la transition énergétique. Voilà, donc euh, deux avis qui sont globalement favorables, avec quelques observations. Et puis, je vais vous donner également euh, lecture, sauf erreur de ma part, de l'avis de la Commission Environnement avant de vous donner la parole. Bah, vous l'avez ici. Donc, la Commission Environnement, Madame Roux, si vous voulez, voilà, a émis un avis très favorable, euh, rappelant que le projet était donc euh, dimensionné à l'échelle du territoire, tant dans son portage que dans sa gestion technique. Préservation de l'environnement a fait l'objet d'études, bien évidemment, on en a parlé. Et les commissions soulignent néanmoins les points suivants une communication sans doute un peu plus tardive auprès des acteurs locaux dans la construction du projet une vigilance à apporter sur les indicateurs de mise en place pour le suivi des conditions de stockage. On retrouve l'avis du citoyen qui a déposé son avis écrit à la mairie. Voilà, donc pour résumer, les avis pour l'instant sont favorables. Euh, tant des commissions, euh, commissions environnement et agriculture que euh, bah, des citoyens qui se sont prononcés. Euh, donc, euh, j'attends les observations du conseil municipal. Aude Brugnot. Après, j'ai Luc Van de Vandevenuise. Bonjour. Euh, merci pour la présentation. C'était assez clair. J'ai une question au niveau de... On entend souvent revenir le l'idée que ça n'a pas été assez présenté. Est-ce qu'il y a pour projet de faire comme à la salamandre des visites du site pour mieux expliquer comment ça fonctionne et... oh Oui, de toute façon, il y aura une porte ouverte de fête quand on va ouvrir, ça c'est euh, garanti. On a même l'intention, si c'est possible, de, de coupler nos plantations de haies avec les écoles, voire même euh, si, euh, avec les collèges pour euh, expliquer la biologie du méthaniseur. Ça peut être, euh, ça peut être sympathique aussi d'avoir un... Un cadre plutôt que des feuilles. Donc, euh, non, non, a, on est ouvert, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Merci. Luc Van de Venuise, maire délégué de Clé. Oui, bonjour. Ma question, moi, elle est euh, sur euh, l'évolution possible de, de ce type d'installation. On voit bien que. Bien souvent, des installations de ce type, c'est une question de taille et, et aussi, là, je dirais proportionnée, et tel que vous l'avez expliqué, à des besoins locaux, pour des retombées locales, donc ce que j'approuve totalement. En gros, qu'est-ce qui nous garantit que dans 10 ans, dans 15 ans, ça ne deviendra pas une installation industrielle polluante, alors qu'aujourd'hui, c'est quelque chose de bien dimensionné alors, ça, ça nous a déjà été demandé par un riverain. Quelle garantie il avait pour, pour, Pourquoi on ne pouvait pas vendre notre, notre outil à un moment Alors, ce pas du tout la philosophie de notre, notre projet. L'unité de méthanisation, elle est bien faite pour la continuité de nos, de nos exploitations. C'est bien de gérer nos effluents en collectif. Et ce n'est pas, pas de gagner de l'argent des mille et des cents. Si on voulait gagner de l'argent, on ne mettrait pas d'effluents, on ne mettrait que des cultures dedans. Ça, c'est clair et net. C'est là, là où l'argent la, où se fait. Là, c'est vraiment pour, pour gérer nos effluents. La capacité de, de notre unité est, est, la, la, la limite, c'est l'épurateur, en fait. C'est la compression du gaz. On a un épurateur qui pourra aller au maximum à 180 normes au mètre cube. Et on a un contrat de gaz aussi. On a, on a signé un contrat de gaz, de gaz pardon, euh, avec SEV, un acheteur de gaz, de gaz, pardon. Et euh, on ne peut que le doubler. On ne pourra pas aller au-dessus au de 200 normomètres mètre cubes. Après on a un maillage qui a été fait par GRDF, qui va être fait par GRDF. Il n'est pas extensible non plus. Si Boget n'a pas d'autres entreprises qui utilisent plus de gaz ou ainsi de suite, à un moment, on ne peut pas produire plus. Dans notre projet, on a une capacité de grossir un petit peu jusqu'à 180 pour justement faciliter l'installation des jeunes. Faire, comme je vous disais au départ, le, le, si les nouvelles réglementations nous l'imposent, mais ce sera dans les, les 14 exploitations qui sont adhérentes. Et peut-être qu'on en prendra une ou d'autres, mais il n'y aura, aura jamais 50 associés sur le, sur le projet. C'est n'est pas une volonté, c'est surtout pour un but. Moi, je, je voulais rebondir sur la question de. Pardon, Luc. C'est qu'en en fait, euh, avec cet outil, je pense que c'est un moyen de conserver des agriculteurs sur le territoire. Ça me paraît essentiel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, compte tenu des contraintes environnementales, compte tenu des, des contraintes normatives qui sont imposées aux agriculteurs, on voit qu'aujourd'hui, effectivement, ben, il va être de plus en plus difficile d'être, par exemple, de, de faire de l'élevage, parce que vous n'arrivez pas à évacuer votre lisier ou, ou du lait. Euh, et donc, si effectivement, on n'a pas ce type d'équipement, ben, les agriculteurs vont être confrontés à des difficultés de plus en plus lourdes. Aujourd'hui, un plan d'épandage, ça devient de plus en plus compliqué. Là, c'est une manière, en fait, de répondre à la réglementation et d'éliminer les lisiers, le lisier, entre autres. Vous avez vu que c'était essentiellement du lisier, de manière à produire de l'énergie verte. Donc, moi, je trouve que, un, ça permet. On voit que cet outil, il n'est pas surdimensionné. Donc, pour répondre à ta question, Luc, on ne risque pas d'avoir, effectivement, je pense qu'un. Un industriel a très peu de chances de s'intéresser à ce type d'équipement qui est limité. Et puis il ne faut pas oublier non plus que derrière, euh, le, le, je dirais, la, la production a les fonctions de la consommation. Et on ne peut pas euh, partir sur, une, sur une, une, une usine, entre guillemets, surdimensionnée qui pourrait euh, intéresser des industriels qui, eux, ne respecteraient peut-être pas les contraintes. J'ajouterais que l'État, là-dedans, a un rôle à jouer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, on est vigilants et il est clair que la présentation qui a été faite par Ariméthane, moi, me rassure totalement sur ce qui va être utilisé dans ce méthaniseur. Euh, on, est part, on est sur un, produit, un projet, je purement local, avec des garanties environnementales qui sont fortes. Moi, je, je me réjouis que la FNE et puis que la LPO aient été associées à, à la démarche et que ça s'inscrive dans le cadre aussi du projet Écosir. ça c'est plutôt positif. Euh, et ce projet à, à dimension locale, bon, je n'ai pas de crainte, s'il y a encore des agriculteurs sur le territoire, euh, qu'ils soient repris par d'autres agriculteurs, euh, c'est aussi un moyen d'assurer la transmission des entreprises, parce que c'est un, un vrai sujet sur le, le territoire. Luc, je t'ai coupé la parole, tu voulais peut-être rebondir. Non, je voulais juste dire merci, vos explications me conviennent. Ouais. Aude. Alors, si tu coupes ton micro, Aude. Pardon. Voilà. Euh, Qu'est-ce qui se passe si quand certains de vos associés euh, partiront en retraite bien méritée, vous allez avoir un renouvellement Comment ça va se passer pour que vous ayez toujours un, un capital suffisant pour faire fonctionner la structure Dans nos statuts, on, on a fait une grille en fait pour un, un ordre de priorité pour qui reprend le, le, la part de celui qui arrête. Donc on a des, des priorités 1 et 2. Souvent, s'il y a un jeune qui s'installe, c'est lui qui, qui reprend. Si c'est des jeunes qui veulent s'installer, ils sont prioritaires. Si c'est les associés qui veulent grandir, il y, a, il y a toujours quelque chose qui est fait pour que, que l'installation puisse perdurer. D'autres questions Non, on a répondu à toutes vos questions Bon, alors, euh, à notre niveau, euh, nous devons effectivement émettre euh, un avis hein, euh, dans le cadre de la consultation qui est, euh, qui est organisée. Alors, euh, je recherche, pardon, pour être certain, est en cohérence avec la délibération qui vous est présentée. Voilà. Donc euh, la commission environnement aussi a mis un avis est favorable. Hein? Voilà. Donc euh, aujourd'hui euh, ne participe pas donc euh, au vote euh, ni Monsieur Rabouin, ni Monsieur Rousteau ni Monsieur Ouvrard euh, qui ont participé à ce projet. Et euh, donc euh, je vais vous demander au vu de l'arrêté préfectoral du 4 novembre 2021 qui a organisé l'enquête publique, hein, de bien vouloir euh, vous prononcer euh, en manifestant votre, euh, votre approbation ou, ou votre opposition en levant la main. Donc euh, je vais demander aux personnes qui sont favorables à ce projet de se manifester en levant la main. Il y en a qui, les, voilà, il y en a qui ont des pouvoirs, donc pas de problème. Y a-t-il des personnes qui seraient contre, qui peuvent lever la main, ou des personnes qui s'abstiennent Je n'en vois aucune. Donc euh, l'avis du conseil municipal de Beaujolais-en-Anjou est émis à l'unanimité de manière favorable. Voilà, votre présentation a été parfaite, messieurs. Merci à vous. Un beau projet. Merci beaucoup pour, pour cet avis. Et même si vous avez mis un avis positif, on va encore travailler ensemble. Comme M. Chalopin vous en a parlé, on a les transports à gérer. Donc je pense qu'on reviendra vers la commission Voirie et les maires délégués qui, sont, euh, qui seront susceptibles d'être traversés par, par, ces, par nos camions, de, de travailler ensemble pour voir comment on peut gérer au mieux ce trafic supplémentaire sur la commune de Beaujean-Anjou. Merci, parfait. Voilà, on va vous libérer. Merci, messieurs. Alors si vous voulez aller chercher euh, les conseillers qui sont sortis de la salle de libération, M. Rousteau, M. Rabouin et M. Ouvrard, voilà. Très bien. Merci. Bonne soirée. Très bien. Bon, alors maintenant, on va, on va passer sur un aspect, on va attaquer le volet, je dirais, finance. On reviendra à l'aspect environnemental tout à l'heure pour les projets qui seront présentés par la commission de environnement. Je vais donc vous présenter le, le rapport d'orientation budgétaire qui doit normalement donner lieu à un débat d'orientation budgétaire, un DOB. Voilà. Donc, euh, je serai d'être... Euh, enfin, je, je vais être synthétique, c'est promis, puisque je vous ai demandé de l'aide, donc je vais l'être aussi. Donc, euh, globalement, l'année 2021, parce que quand on parle d'un débat d'orientation, on fait un petit peu une analyse rétrospective. sur l'année écoulée et on essaie de se projeter dans l'année à venir pour laquelle nous allons voter prochainement le budget. Alors, il ne s'agit pas de faire une analyse concrète... Du résultat de l'année 2021, mais il s'agit simplement de regarder des tendances et de se projeter. Donc 2021, vous allez le voir tout à l'heure, a été une année euh, compliquée, bien évidemment, vous en doutez tous, à, à cause de la pandémie qui a frappé notre pays. Sur le plan national, euh, l'impact a été important. Hein. Je voudrais quand même dire qu'aujourd'hui, en 2021, euh, la dette publique euh, s'élève à, à 2834 milliards euh, d'euros. Donc, ce n'est pas rien. Elle a augmenté de 200 euh, millions d'euros. Euh, voilà. Donc, 2000, 2800 milliards, c'est quand même relativement conséquent. C'est effectivement, euh, le, je dirais, la conséquence du, de la politique, quoi qu'il en coûte. Alors, euh, on, on comprend bien que rien n'était facile. Aujourd'hui, euh, 2022, l'État envisage une amélioration du sol budgétaire. Une réduction de la dette publique, une croissance des recettes, avec derrière un élément qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est l'inflation, qui pourrait venir jouer un peu le fauteur de troubles, puisque si l'inflation augmente, ça posera des problèmes de pouvoir d'achat, ça posera des problèmes vraisemblablement de relance économique, et ça posera des problèmes de recettes économiques, bien évidemment, recettes qui sont destinées à réduire notre dette. Bon. Alors, quel est l'impact pour notre collectivité Bien évidemment, beaujardin en Anjou n'a pas fait exception. Nous avons été impactés, vous allez le voir dans quelques instants, de manière significative à la crise sanitaire. Je, vais, je parlerai notamment de la gestion du centre de vaccination, mais pas que. On a été impacté dans la gestion au quotidien. J'étais avec Madame Roux, puisqu'il n'y a pas eu de cérémonie des vœux. Je rencontre par petits groupes l'ensemble du personnel et j'étais aujourd'hui avec les personnels du entre guillemets du nord hein, euh, clé fougeré Cheviré euh, des écoles et puis après je suis revenu sur le centre bon le personnel est fatigué il hein, faut bien l'admettre on est tous un peu épuisés mais le personnel est, est fatigué donc c'est quelque chose qui financièrement euh, ne se mesure pas mais psychologiquement on voit bien que c'est que c'est compliqué donc euh, euh, au niveau des collectivités, l'État a, a, a légèrement augmenté l'enveloppe de la DGF. Euh, en 2022, normalement, euh, nous, nous percevons deux dotations qui sont importantes. Nous percevons la dotation, la dotation de solidarité urbaine qui s'adresse aux communes de plus de 10 000, ce qui représente un peu plus de 900 000 euros. Et nous percevons la DSR, la dotation de solidarité rurale, euh, qui représente, elle, 520 000 euros. Vous avez fait le calcul, ça fait 1,4 million. Normalement, 2022 devrait, aurait dû être la dernière année où on aurait pu cumuler les deux dotations. Bon, moi, je suis intervenu dans le cadre de mes fonctions euh, nationales au sein de l'AMF, et j'ai eu la possibilité de rencontrer Monsieur le Premier ministre à qui j'ai soumis cette difficulté, puisque la perte de la DSR représentait pour nous plus de 520 000 euros. Et Stella Dupont, donc député de La République en marche, a fait un travail exceptionnel. Euh, elle m'a accompagné dans, le, dans la démarche et elle a déposé un amendement euh, qui finalement après bien des hésitations a été retenu et le résultat de cet amendement c'est que nous conserverons alors nous allons vraisemblablement perdre la DSU donc vous me direz euh, c'est important mais en fait on va retrouver le dynamisme de la DSR donc les simulations qui nous ont été présentées font que financièrement 2022 et 2023 sera neutre, enfin sera neutre. On, on aura même une légère augmentation de nos dotations. Donc nous ne perdrons pas financièrement. Les, les, les deux dotations vont être fusionnées et le résultat est quand même extrêmement positif. Donc euh, j'ai remercié Stella Dupont pour son implication et puis euh, j'ai aussi remercié le Premier ministre pour avoir écouté euh, les élus ruraux. Ça fait du bien d'être parfois entendu. Euh, nous avons aussi bénéficié euh, d'une subvention importante au niveau de l'église de Beaugé, hein, dans le cadre du plan de relance. Alors, impact financier euh, pour euh, l'année 2021, c'est le centre de vaccination. On a ouvert notre centre de vaccination donc, euh, en janvier 2018. Alors, l'impact, vous, vous voyez si les chiffres sont assez. Je ne sais pas si vous voyez bien les chiffres. Euh, oui, voilà, c'est parfait. Alors, le centre de vaccination nous a coûté un peu plus de 236 000 euros et nous n'avons euh, reçu en recette que 168 000 euros. Donc, vous faites, euh, vous faites effectivement le calcul. On enregistre une perte de d'un peu plus de 60, enfin, de pratiquement euh, 70 000 euros. Donc, c'est loin d'être neutre. Euh, c'est loin d'être neutre. Euh, L'AMF s'est saisi de la difficulté. Le nouveau président, M. Lisnar, est intervenu auprès de, de l'État pour qu'on soit au moins couvert, parce que dans ces dépenses là, en fait, il n'y a pas du tout de, de, de dépenses de, euh, accessoires, c'est à dire qu'on ne loue pas le centre de René d'Anjou, on ne loue la RS. On le loue pas à l'ARS. On ne le loue pas à l'État, c'est pour nous, c'est notre contribution. Mais par contre, on voit qu'il y a un certain nombre de dépenses qui ne sont pas prises en charge. Une dépense toute simple. Le personnel de beaujean anjou qui a été réaffecté au centre de vaccination. Rémun sa rémunération n'est pas prise en charge par l'État, puisque l'État considère que c'était du personnel qui était déjà dans notre collectivité et qu'il n'a pas à le remboursé. Sauf que l'État oublie que ce personnel aujourd'hui-là euh, est affecté au centre. Nous aurions eu droit, et c'est là que des fois on marche sur la tête, si nous, avons, si nous avions embauché très largement, en recrutant, on a recruté du personnel pour le centre, on a recruté 4 à 5 personnes. Si on en avait recruté 10, eh bien, on aurait été remboursé de la rémunération pour les 10 personnes. En fait, on a fait le choix pour économiser les deniers publics de n'en recruter que, que 6 et quatre autres, c'est des gens de Beaujean-d'Anjou. On n'est pas remboursé pour le salaire des quatre autres. Donc, on est intervenu. J'espère que l'État entendra. Parce que euh, j'entends aujourd'hui euh, beaucoup d'élus, beaucoup de responsables dire c'est formidable, tout le monde est vacciné. Moi, je, je partage cette analyse, c'est effectivement formidable. Mais il faut se poser la question, c'est formidable grâce à qui Bien sûr, parce que l'État a acheté des doses de vaccins, mais s'il n'y avait pas eu des vaccinodromes ouverts un petit peu partout sur l'ensemble du territoire, je ne suis pas pers persuadé qu'on aurait un taux de vaccination aussi élevé. Donc moi, je demande à l'État de tenir son engagement et de couvrir l'intégralité de nos dépenses qui ont été rendues nécessaires pour le fonctionnement de ce centre. Donc ça, c'est me paraît moi, effectivement, euh, essentiel. Donc vous voyez les, vous voyez les chiffres qui s'annoncent. Hein, c'est loin d'être neutre, encore une fois. Mais euh, bon, voilà. Je demande moi à l'État de de regarder les choses euh, de manière plus positive. Alors euh, le, la vaccination, le centre de vaccination, la crise ça a aussi impacté notre personnel dans le fonctionnement. On a eu en en 2021, on verra tout à l'heure un certain nombre de D'arrêt maladie. donc Et puis ça a quand même désorganisé la collectivité, mais ça, on est comme une entreprise, hein, le, le Covid a, a perturbé tout le monde. Sur les charges à caractère général, euh, on a été en 2021 impacté par l'augmentation des coûts des carburants, des fluides. Euh, les services ont été un peu perturbés euh, par euh, la pandémie, par une désorganisation. Euh, et donc, on a pris un peu de retard, mais finalement, les services sont bien tenus. Donc, j'ai l'occasion de le dire et de le répéter, ils ont fait un, un très bon travail. Et puis, on a des postes qui, effectivement, avec l'annulation des cérémonies, des manifestations, ben, c'était égal à zéro. Euh, voilà. Donc, le poste, par exemple, le budget cérémonie, qui était pour 2021 un poste important, aujourd'hui, euh, vraisemblablement, se rapproche de zéro. Euh, les charges de personnel, je le disais tout à l'heure. Ont enregistré une augmentation, alors due principalement au recrutement du personnel du centre de vaccination. Hein, les, les six personnes que nous avons recrutées, je rappelle qu'on a deux standardistes, des coordinatrices, hein, et puis on a embauché aussi des personnes pour faire l'entretien, pour aussi euh, accompagner euh, les professionnels. D'ailleurs, je. Je salue une nouvelle fois tous les professionnels de santé qui, qui font que le, le centre, effectivement, est, est important. Alors, nos dépenses de personnel ont légèrement augmenté aujourd'hui. Elles atteignent 53% de nos dépenses de fonctionnement. Si on retraite, si on enlève les effectifs consacrés au Covid, en fait, on n'est qu'à 51% à peine. Ce qui, pour une collectivité de notre taille, est, est, est tout à fait satisfaisant, puisque la moyenne de notre strat, c'est environ 60%. Donc, aujourd'hui, vous voyez que les effectifs sont là. Hein, donc, 170 personnes en 2020 et 170 personnes en 2021. Donc, on n'a pas, pas recruté plus que ça. Euh, aujourd'hui, euh, on a, bon, compte tenu de la situation, on a, on a souhaité recruter. On a des personnes qui sont venues renforcer le service urbanisme. On a maintenant trois personnes au service urbanisme. On a recruté une personne qui était sur le centre de vaccination, qui en fait a très bien travaillé, qu'on a intégré dans l'effectif de la ville pour gérer les passeports et les cartes d'identité, parce que là aussi, il y a un service qui a pris de l'ampleur. On a recruté un volontaire territorial sur le tribunal. Et puis, grâce à la labellisation Petite Ville de demain, nous avons pu recruter un manager de commerce de centre-ville. Donc, ce poste est financé par la Banque des territoires. Voilà. Donc. Euh, L'augmentation des charges de personnel, hein, vous avez je crois un petit organigramme qui suit, euh, a permis, voilà, de. On voit que le, le, les dépenses de personnel euh, aujourd'hui avec le centre de vaccination ont légèrement, légèrement augmenté. Nous allons euh, pour l'année 2021. Euh, nous allons sans doute être un petit peu en, en deçà de nos prévisions par rapport à ce qu'on avait effectivement euh, donc euh, prévu de faire. Euh, pour le personnel, j'ajouterais qu'on est passé au télétravail lorsque c'était possible. On a, là aussi, on a joué le jeu pour permettre au personnel de de, de continuer à travailler. Je, je, voilà, des personnes aujourd'hui qui étaient qui sont positifs, qui travaillent chez elles en, en télétravail. Je tiens à saluer ce travail aussi parce qu'il y, y a bien des personnes qui sont en arrêt chez elles, enfin obligées de s'isoler, euh, diraient ben je, voilà je m'arrête, j'attends. Eh bien non, je peux vous dire que certains se sont connectés pour continuer à travailler. Je voulais les, les remercier, ils se reconnaîtront et ils sont nombreux. Donc ma satisfaction quand même, c'est d'avoir pu maintenir le fonctionnement du service public, ça c'est important. Et euh, on a réussi à fonctionner et à faire des travaux en régie et investir. Alors un petit peu moins, mais j'en parlerai tout à l'heure sur l'investissement. On a investi un petit peu moins parce que les entreprises n'ont pas forcément pu répondre aussi rapidement. Elles ont, elles aussi, été touchées. L'autre satisfaction en termes de, de soutien, je l'ai dit tout à l'heure, c'est sur l'aide aux, aux associations. Nous avons versé en 2021 l'intégralité des subventions qui étaient prévues. Peu importe que l'association ait ou non de l'activité. On a simplement... Euh, on, on a simplement, on n'a pas versé les subventions pour les, les subventions qui étaient destinées à des manifestations exceptionnelles. Par exemple, le motoclub, qui devait organiser le championnat de France, ne l'a pas organisé, donc on n'a pas versé cette subvention. On avait également l'association des runners qui voulait organiser un cross, euh, on ne l'a pas versé parce que la, le, la manifestation n'a pas eu lieu. Il y a trois ou quatre associations comme ça. L'Opéra, on a réduit la subvention, mais toutes les associations, j'insiste là-dessus, ont vu leurs subventions versées. Ce qui fait qu'avec Jean-François, Patrick et Céline, on a regardé tous les dossiers de subvention. Nous n'avons pas aujourd'hui d'associations qui ont des difficultés financières dues au Covid et qui auraient dû arrêter leur activité. Il y a quelques associations qui sont arrêtées, mais c'est pour d'autres sujets. Mais globalement, la situation financière est saine et la ville y a contribué. Donc je voulais souligner ce point parce que c'est important. Alors. Dépenses, j'en ai parlé. Côté recettes de fonctionnement, nos recettes fiscales sont légèrement euh, supérieures, euh, effectivement, à ce que nous avions prévu. Et nous avons notamment une augmentation significative des droits de mutation, puisque nous avions inscrit 320 000 euros de recettes. Vous savez, les droits de mutation, c'est lorsqu'on vend des biens ou quand on en achète, on verse effectivement un droit de mutation. On est passé de 320 000 euros à 500 000 euros cette année. Donc faites le calcul du pourcentage, c'est 160 000 euros d'augmentation de cette recette qui tombe directement dans la poche de la ville. Donc grâce à ça, on, on maintient, nos une recette à flot. La taxe foncière a vu, elle a augmenté. Alors c'est dû non pas à d'augmentation de taux, puisque vous savez qu'on n'augmente pas les taux sur Jean d'Anjou mais en fait c'est dû tout simplement euh, à, au nouveau système mis en place par par l'État, à la suite de compensations qui sont effectivement plus importantes que ce qu'on avait imaginé. Et puis, euh, 2021, on a perçu également la taxe foncière qui, était, euh, qui venait du département. Donc, là aussi, c'est un élément euh, intéressant. Les dotations de l'État ont été stables, je l'ai dit tout à l'heure. On a eu une baisse de l'attribution de compensation par la côté de commune. Et puis, on a des recettes qui ont baissé. La restauration scolaire, euh, voilà, un peu moins de fréquentation, même si on se rapproche du bon niveau de, 2010, de 2019. Seules les recettes à caractère culturel ont chuté. et Vous savez, vous savez pourquoi. Nos recettes d'immeubles ont été, euh, ont été euh, constantes. On n'a pas de difficulté. On est revenu à la normale. Bon, je pense qu'il y a une autre diapo. Voilà. Alors ça, on parlera du personnel tout à l'heure. J'y reviendrai. Euh, L'endettement. Alors la situation de Beaujolais en Anjou, je pense que c'est important. On a un petit diapo qui suit normalement, Madame Roux. Alors, nos ratios, notre, la santé financière de la ville est bonne. Donc, euh, quelques éléments qu'on a toujours euh, dans le viseur. En termes de, de dépenses réelles de fonctionnement par habitant, nous sommes à 931 euros sur beaujean en anjou Ça a légèrement augmenté, mais le Covid est passé par là. On voit qu'on était à 888 en 2018. Et la moyenne des communes de notre strate c'est 1071 euros. Donc, euh, nous sommes en deçà en dépenses de fonctionnement. La DGF par habitant est pour nous très élevée, il faut bien l'admettre. C'est dû à notre regroupement de communes. Il n'y a pas d'autre explication, puisque nous percevons par habitant 348 euros, alors que des communes de notre taille, qui sont des communes classiques, ne perçoivent que 173 euros. Donc vous faites le calcul, c'est significatif. L'endettement par habitant a légèrement augmenté cette année. L'année dernière, il était de 845 euros. Il a augmenté parce que nous avons investi, nous avons emprunté, c'était prévu. Le chiffre qui vous est annoncé à raison de 1000 euros par habitant, c'était prévu. C'est ce que nous avions dans la simulation financière faite. La moyenne de nos strates, c'est 862 euros, donc il y a 100, 140 euros d'écart, ce qui n'est pas important. Un élément qui est très intéressant, c'est que notre capacité de désendettement, si un jour on devait arrêter d'investir, combien d'années nous ferait-il pour rembourser notre dette Il nous faudrait seulement 4 années 27. La moyenne critique, c'est 12 ans. Donc nous sommes très loin, effectivement. Je ne pas de monter à 12. Hein. Moi, je fixe toujours le. Entre 6 et 8, c'est bien. Au-delà, ce n'est pas... pas intéressant. Donc voilà, on est bien. Les dépenses de personnel, j'en ai parlé tout à l'heure. Nous sommes à 53% au lieu de 60% sur une, strat, sur une commune de même strat, et 51% si on enlève le centre de vaccination. Voilà, toujours sur le plan financier, euh, on a également le, les dotations qui apparaissent normalement après, Voilà, qui, sont, qui confirment ce que je viens de vous dire, hein, 348 euros par habitant. Vous voyez, on, touche, on a touché 4 344 560 euros. Faites le calcul, si on était simplement une commune normale à 200 euros par habitant, Calculer ce que ça nous rapporterait. On serait très nettement de ça. Les gens me disent souvent euh, C'est quoi la, la commune nouvelle bah, euh, C'est plein de choses, il y a plein de projets, mais c'est aussi des recettes, effectivement, plus importantes. Puisqu'on a gagné, moi j'ai calculé une fois, on gagne à peu près 1,2 million à 1,5 million par, par an par rapport à une commune classique grâce à ce regroupement. Le résultat de 2021 sera bon. On sera proche de 2020, peut-être un peu en deçà. Euh, on sera pour plus de 3 millions d'euros. Alors, les investissements, euh, pour en parler rapidement, donc moi je, je vais me limiter simplement à donner une tendance générale et je donnerai la parole tout à l'heure, donc euh, pour les investissements 2022, à, euh, aux adjoints. Euh, Aujourd'hui, euh, on a pris un peu de retard sur l'investissement parce que. Euh, non pas que les projets n'ont pas pu se lancer, on était presque prêts, euh, sauf que bah, les entreprises étaient confrontées aux mêmes difficultés que nous, difficultés de recrutement, euh, absentéisme, approvisionnement des matières premières. Nos chantiers ont tous pris 3-4 mois de retard. Le tribunal, la maison France Service, la médiathèque qui s'est un peu enlisée, même la, la belle salle de, de Kion a pris un petit peu de retard parce qu'elle aurait dû terminer en juin. Et en fait, elle, elle a été achevée au mois d'octobre-novembre parce qu'il y avait des problèmes d'approvisionnement. Voilà. Vous avez, je crois, un tableau sur les emprunts pour finir. Voilà. Donc, euh, l'évolution du capital restant-du. Vous voyez qu'il y a eu une petite pointe en 2021, hein, puisqu'on a emprunté 3,2 millions euh, d'euros à un taux euh, extrêmement faible. Cet emprunt servira... À financer notamment la restauration du tribunal et puis la maison France Service. En 2022, on va prévoir d'emprunter. En fait, on, on doit rembourser 1,3 million, 3, euh, 1 million 3 par an. Il n'est pas impossible qu'on soit peut-être à emprunter cette année pour 1,4 million, 1,5 million. 5, on va voir. Parce que les chiffres ne sont encore pas totalement arrêtés. Ce qui fait qu'il y aura encore peut-être une petite pointe. Et à partir de 2023, on voit que le désendettement repart à la baisse. Enfin, reprend, tout simplement. On va à nouveau se désendetter de manière significative, puisque nous aurons consacré les plus gros investissements. Sur 2022, on a prévu, en termes. Alors, sur le fonctionnement, on va poursuivre le renforcement des équipes on va sécuriser certains services on va anticiper des départs à la retraite. On va se donner aussi les moyens de porter des projets parce qu'on voit bien qu'il y a des services qui, qui, qui souffrent et qui ne sont pas suffisamment structurés. On va également euh, donc, euh, on va aussi procéder et continuer à remplacer des personnes qui sont, euh, qui sont absentes pour cause de euh, Covid, bien évidemment. Et puis, on va continuer à maîtriser nos dépenses de personnel pour rester dans un pourcentage acceptable. On va euh, engager aussi beaucoup d'actions en matière d'économie d'énergie. On va lancer donc une, une politique plus durable dans la gestion du parc automobile, donc acquisition de véhicules propres. On va lancer des travaux d'économie d'énergie euh, qui porteront leurs fruits en termes de fonctionnement à terme. Et puis, on va également travailler sur l'éclairage. Et puis, euh, pour les autres dépenses de fonctionnement, on vous propose de les, de les stabiliser et de continuer à soutenir de la même manière les associations. Sur le plan culturel, ben, on espère qu'on aura un peu plus de dépenses, euh, Madame l'adjointe l'année 2021 parce que ça, ça signifie que l'activité aura repris euh, de l'activité enfin de aura repris du dynamisme mais on, on souhaite aussi avoir des recettes des dépenses mais aussi quelques recettes euh, côté investissement euh, on va continuer à sécuriser nos centres bourgs engager des travaux d'économie d'énergie et puis surtout on va poursuivre les projets qui ont été engagés en 2021 et qui sont conséquents globalement on, on envisage d'investir sur 2022, euh, aujourd'hui, un peu plus de 7 millions d'euros. Ce qui constitue une, une augmentation par rapport à 2021, on était à, à peine à 5 millions. Donc euh, on a 2 millions d'euros d'investissement en plus, plus de 7 millions. Notre budget est, est, est presque bouclé, on a fait des arbitrages qui sont toujours des moments un peu particuliers, mais voilà. Alors, côté, donc, côté investissement, je vais donner la parole euh, aux, aux adjoints et vous dire aussi que l'année 2022, mais j'ai déjà commencé à le dire, euh, eh bien, on allait consacrer beaucoup de démarches pour développer l'habitat. L'écoquartier devrait rentrer à sa phase opérationnelle à la fin de l'année. Et puis, on va euh, être accompagné notamment par loire Habitat, mais aussi par des promoteurs. Il y a un projet qui vient de tomber là, il y a quelques jours pour une création de 12 logements, enfin 12 parcelles sur Beauger. On va construire partout et on va vous proposer d'avoir une politique très volontariste parce qu'on veut vraiment que notre territoire continue à se développer. Et surtout, je ne souhaite plus qu'on soit dans la position qu'on est aujourd'hui où pour un logement, on a, je passe sous le contrôle de Béatrice, parfois 4, 5, voire 6 demandes. Donc, euh, j'ai battu le rappel de nos partenaires bailleurs sociaux et puis aussi des promoteurs avec, avec Sylvie et Franck Rabouin, nous avons Sylvie Nollet et Franck Raboin. nous avons rencontré les, les, les promoteurs, les agents immobiliers du territoire pour leur présenter toutes les possibilités d'investir. Et ça commence à, à porter ses fruits puisqu'on a des retours très positifs. Donc, euh, voilà. Donc, euh, j'oublierai pas l'économie, mais euh, Jean-François pourra vous en dire euh, quelques mots. Et puis enfin l'environnement. Vincent vous en parlera beaucoup tout à l'heure, donc je ne vais pas lui prendre la parole. Côté sport, on va sans doute, on va engager la réflexion pour la réhabilitation du stade Châteaucoing, qui est situé à côté du collège. Et je considère que cet équipement n'est n'est pas digne d'une ville de 12 000 habitants et n'est pas digne d'une ville qui dispose de deux collèges. Donc on va regarder ça de très près pour investir de manière conséquente. Alors. Sur, euh, donc, euh, pour illustrer ce que je viens de vous indiquer, c'est un moment toujours important, je vais donner la parole à des adjoints euh, qui souhaitent intervenir pour qu'ils illustrent euh, effectivement les projets d'investissement pour 2022, sans rentrer dans le détail, puisque ça fera l'objet d'un débat plus précis euh, à partir donc, du budget, du vote du budget. Mais c'est intéressant de voir ce qu'on met derrière les 7 millions d'investissements que j'ai annoncés. On commence par Sophie Sibylle, présidente de la commission pour l'enfant jeunesse. Bonsoir. Donc pour l'enfant jeunesse, l'investissement concerne principalement des travaux dans les établissements scolaires de différents types. Des travaux de maintenance d'embellissement. On, on propose cette année la réfection du mur de l'école Loiselier. Des travaux de nécessité. Notamment, on a le chauffage de l'école de Saint-Martin qui ne fonctionne plus. Donc là, on pâlit, mais effectivement, il, est, il faut le changer. Et des travaux beaucoup plus structurants sur des projets qui ont été travaillés en amont par les différentes commissions et sur lesquels on a émis des priorités. Donc on vient de finir avec, le complet, avec la restauration et l'accueil périscolaire de Cheviré. Et donc, euh, on lance en 2022 l'étude sur le, le projet sur l'école de clé, qui est beaucoup trop petite par rapport à l'effectif, donc qui pose certains soucis. Et aussi sur euh, une étude sur la restauration scolaire, qui fait suite aussi au plan alimentaire de référence qui a déjà été euh, formalisé en commission. Très bien, on continue. Donc euh, Laurent biteau après je donnerai la parole à Jacqui Boyot pour nous présenter quelques projets. On continue. Oui. Alors en matière de, de voirie, euh, donc on a notre programme annuel habituel. Tous les ans, nous faisons des, des travaux d'entretien sur l'ensemble des communes déléguées. Donc c est, c est, ces travaux-là s'élèvent à un montant de 440 000 est, estimés pour l'année 2022. Nous travaillons avec un maître d'œuvre tous les ans, donc on peut considérer ça comme de l'entretien. Nous avons aussi des, donc des, pro, des programmes, enfin, des investissements qui sont programmés, mais là, on va s'intéresser uniquement à ce qui est but, enfin, mis au budget pour euh, les investissements euh, réalisés, en fin de compte. À Echeméré, on avait encore un reliquat qui, qui monte à la somme de 149 200 euros. Euh, Cheviré de Rouge, alors là, on a un gros projet sur toute l'année. Et on a mis au budget la somme de 854 000 euros. Euh, donc le budget global est au-delà, mais euh, on estime qu'on aura fait l'essentiel, malgré tout, de, de l'ensemble des travaux de chevirer le rouge. La route du pot brûlé, qui vient juste d'être finie, va être financée donc sur l'année 2022 à hauteur de 200 000 euros. Donc d'autres travaux plus modestes comme l'adressage va nécessiter un financement de l'ordre de 25 700 euros. Euh, on va lancer aussi, vous le savez, l'étude de la voie douce. Cette étude-là est estimée à 46 000. L'éclairage public, on est dans un programme, vous le savez, le SDAL. Euh, on va commencer, on n'aura peut-être pas une année entière, parce qu'une année entière est estimée à peu près à 100 000 euros, mais on en aura pratiquement pour le, une demi-année à, à mettre au budget. Et puis d'autres sujets plus anecdotiques, comme les reprises de concessions, de l'ordre de 35 000 euros. Euh, un autre point, peut-être très important, mais que j'ai un peu globalisé, c'est un petit peu les équipements matériels euh, qui sont indispensables pour travailler. Donc. Euh, qui s'élèvent euh, dans leur globalité à 130 500 euros. Euh, ça représente l'achat d'un tracteur tondeuse, par exemple, pour 56 000, euh, puis du matériel d'atelier de, et des véhicules, comme on venait de parler à l'instant. Très bien, des véhicules propres. Je donne, on poursuit le petit tour de table. Jean-François Culaurier, avec euh, peut-être la boutique Tremplin, un petit mot sur le dossier Ne soyez pas trop précis sur les sommes, parce que... Euh, Aujourd'hui, euh, c'est des inscriptions budgétaires, mais qui ne sont pas encore votées. Donc euh, voilà. Bon. Alors moi je ne donnerai pas de chiffres. Euh, donc euh, le, du côté économique, la volonté de promouvoir et renforcer l'attractivité du, du territoire va s'appuyer sur trois grands projets. Le premier c'est la boutique Tremplin euh, qui a été menée en collaboration avec les citoyens dans le cadre de Bougie en Anjou en commun. Et on rentre dans une phase active dans laquelle euh, la maîtrise d'ouvrage est, est en cours d'élaboration. Et ce projet va euh, se mettre en place dans le fin de l'année vraisemblablement 2020. Le deuxième point concerne la réflexion et l'action sur le devenir de la friche commerciale du gamme vert dont vous avez entendu parler. Et là, en, en collaboration avec la société départementale Alter, qui aujourd'hui est propriétaire, mais qui porte le projet pour la ville, on a euh, donc dans, dans la partie euh, qui est aujourd'hui bâtie, euh, on a euh, plusieurs porteurs de projets qui sont euh, euh, dans le cadre de la réflexion et plus que ça, puisqu'ils ont euh, porté euh, par écrit leur euh, intérêt sur ce projet. La faisabilité, l'étude est en fait terminée. Le marché euh, de maîtrise d'ouvrage va être lancé également en 2022. Et le troisième projet euh, porte sur un projet de développement d'activités dans le cadre de, du volet de l'économie sociale et solidaire. Et dans ce cadre-là, euh, un projet est en cours de, de gestation, va arriver dans le courant de l'année 2022 et devrait nous, permet, nous, devrait nous conduire pardon, à l'acquisition d'un bâtiment pour mener à bien ce projet. Merci Jean-François. Jacqueline, tu nous dis un petit mot des, des grands projets, les grandes lignes Alors les grands projets, bah, le tribunal, hein, forcément. Euh... Vous allez bientôt avoir voir, euh, un changement de circulation auprès du tribunal puisque le, euh, le, le périmètre du chantier va être défini euh, rapidement. C'est un chantier d'envergure hein, sur plusieurs années. Nous allons avoir, alors certains me diront l'Arlésienne, mais non, l'hôtel Dieu avec le, les, les travaux qui devraient démarrer en septembre, on l'espère, sur ce chantier qui est aujourd'hui bien avancé, qui est très compliqué. C'est un bâtiment complexe. Et puis il y a aussi des subventions à aller chercher. Là. Des subventions importantes. Madame Roux, là, vous avez décroché la totalité, je crois. Là. Je crois qu'on arrive à peu près à 75% de, de subventions. Donc, c'est énorme hein, sur un chantier à 950 000 euros, à peu près, d'estimation. Donc, il y a ça aussi. Des fois, ça prend du temps, mais des fois, le temps, c'est aussi de récupérer de l'argent. Euh, on a aussi la Maison France Service, donc là, qui a commencé. Il y a un... Michel, il y a un un mois, un mois et demi. Alors ça se voit pas beaucoup parce que c'est toute la partie administrative et la partie mise en place de chantier mais la semaine prochaine vont vont apparaître les échafaudages. Donc voilà, ça aussi c'est un chantier énorme hein, qui euh, sur je rappelle sur cette chapelle Saint-Joseph qui a un moment enfin, ça fait 20 ou 30 ans qu'on se posait la question ce qu'on allait en faire ou ce que les autres allaient en faire. Un chantier de moins d'importance mais qui euh, qui est important malgré tout au niveau de la sécurité, c'est sur le château, vous savez que là la scénographie a été refaite. Il reste à mettre euh, aux normes les, les toilettes handicapées et le système de sécurité incendie. Je vous invite juste à écouter euh, l'émission euh, samedi en France de samedi dernier, qui fait un, un beau clin d'œil sur euh, de William Lémergie sur Europe 1, qui fait un beau clin d'œil sur euh, l'Hôtel Dieu et sur le château, n'est-ce pas, Monsieur le Maire Voilà, c'est bien. Je vois qu'on écoute Europe <laughs> 1. Non, mais c'est vraiment, enfin, est, est vraiment intéressant et ça met quand mmh. même en valeur euh, Bouger en Anjou. Donc voilà, sur les gros projets d'envergure. Euh, Merci, voilà. Jackie. On poursuit le, le petit tour de table. Est-ce que... Euh, alors, j'ai noté euh, Samuel, sur, Samuel Gued sur la communication, quelques, quelques projets. Alors, niveau euh, communication, on va retrouver trois, trois actions euh, principales. Donc, tout d'abord, on a le site internet de, de la ville qui, qui est aujourd'hui vieillissant et qui ne répond pas forcément à toutes les contraintes d'accessibilité. Donc, la première action sera donc la refonte totale de celui-ci afin de le rendre plus fonctionnel, plus intuitif et, et pour qu'il soit donc accessible à tous. On a donc une deuxième action qui est plutôt transversale avec notamment la commission voirie et la commission tourisme qui sera l'uniformisation de la signalétique touristique et informative sur toutes les communes déléguées de Beaujean-en-Anjou afin d'offrir donc une meilleure visibilité des différentes prestations qu'offre le territoire. Et pour terminer, en lien donc avec la commission association, nous allons revoir l'affichage associatif donc, avec l'objectif, dans un premier temps, d'éviter l'affichage sauvage et peu lisible qu'on peut trouver parfois dans les différentes communes déléguées. Et dans un second temps, de proposer une solution d'affichage pertinente permettant d'accroître la visibilité des différents événements associatifs qu'on peut trouver sur le territoire. Merci, Samuel. Franck va nous parler un petit peu urbanisme parce qu'on a quelques sujets. Alors, en ce qui concerne l'année 2022, on va pouvoir finir le PLU qui va s'appliquer sur l'ensemble des 15 communes déléguées. On envisage un arrêt de projet au Conseil municipal de mars et une approbation, si tout se passe bien, pour le mois de décembre 2022. Au niveau des projets de lotissement, alors on va pouvoir finir de commercialiser le, les, le lotissement de Chartronnet et celui de Pontigné. Et pour le lotissement de Beauger, il ne reste actuellement, dans la tranche 1 des terrasses de la Pré, il ne reste plus que 6 lots à commercialiser ce qui va nous permettre d'engager la tranche 2, toujours avec l'opérateur Alter. Et sur la tranche 2, on aura 47 lots qui devraient être à commercialisés à partir de la fin de l'année 2022. Et nous allons engager aussi une opération sur Echemiré, portée par la commune intégralement, pour la construction de... Enfin, pour la, la mise en place de 12 lots à commercialiser. Nous avons déjà 6 lots qui sont réservés pour un opérateur public. Et bien sûr, l'écoquartier. Donc la concertation continue. Euh, l'écoquartier Route de Paris devrait nous permettre de ramener sur le marché environ 80 logements pour, à partir de 2023, si tout se passe bien. Merci Franck. Beaucoup de, beaucoup de projets en habitat. Euh, Vincent, tu nous dis un petit mot sur l'environnement, sachant que tout à l'heure tu as un rapport très détaillé, mais tu peux intervenir. Oui, oui, donc d'abord, on va la poursuite sur les ENS de la vallée du Quanon, la vallée d'Écart, donc on en parlera plus longuement tout à l'heure, parce qu'il y a une demande de subvention pour le département. Après, bah, là, on continue l'écopâturage, donc à la demande des services Espaces Verts, il y aura une parcelle sur Vieille-Beauger au-dessus du cimetière, une parcelle où il y a un lagunage. Et une autre parcelle sur saint martin darcé Là, c'est la demande du Conseil consultatif qui veut réaménager un peu autour du, autour de la du gymnase, du stade et tout ça, et du, il y a un petit plan d'eau donc écovaturage euh, là-bas aussi. Donc, on va arriver euh, en fin d'année à plus de 5 hectares. Donc, enfin, pour ceux qui voient pas, ce que ça représente pratiquement 6 stades de foot quoi, qui sont entretenus par l'écovaturage. Donc, ça fait ça de moins à faire à nos services. Après ben, les animations biodiversité, comme tous les ans, donc, euh, qui sont aussi euh, aidées par le département. Donc on en a quand même plus de 20 qui vont être programmés cette année. Après, on a deux écoles qui sont accompagnées au niveau du CPIE et de la LPO pour des, pour des projets pédagogiques. Et puis la participation au film sur les ENS, euh, là où on a subventionné une partie. Donc ça va être pour cette année aussi. Alors, après aussi, on a le parti à nouveau qui était sur notre feuille de route, le plan arbre qu'on qu va lancer cette année. Donc, voilà, donc on a commencé un peu à travailler dessus avec la partie voirie-espace vert. Et bon, bah donc je pense qu'on va demander à se faire aider un, de la part d'un cabinet quoi, pour savoir vraiment ce qu'on qu met dedans. Parce que je pense que ce n'est pas seulement un plan arbre, c'est vraiment un plan, un plan général sur tout ce qu'on veut faire sur Beaujolanjou vis-à-vis du végétal, vis-à-vis -vis de l'entretien de nos espaces verts leur devenir voilà qu'on ait une harmonisation un peu aussi euh, un petit peu partout sur tout ce qu'on tout ce qu'on fait et puis euh, quelques actions transversales quoi sensibilisation à la flore spontanée pour les habitants et pour les et pour les agents et puis aussi donc euh, et aussi euh, un état des lieux des états municipaux qui serait qui nous paraîtrait intéressant à faire puisqu'on est on n'est même pas, dans, au niveau de la loi, on n'est pas toujours sur les bien calés et tout ça. Donc, a, je pense qu'il y a des choses à y faire peut, pour voir ce qui... L'entretien qu'on pourrait y faire, comme dans le, dans le cadre du plan A, ça pourrait rentrer dedans aussi, ça. Donc, et le, plan, le plan A, c'est une chose qui pourrait être subventionnée dans, dans le cadre du TEN, Territoire engagé pour la Nature. Est donc, euh, ça a été engagé par la Comcom. -Com et nous, on, a, on, a euh, on s'est positionné là-dessus. Donc, on pourrait être subventionné à, à 40% par rapport à ce projet. Donc, c'est quand même intéressant. Merci, voilà. Vincent. Pour terminer, Luc, tu nous dis un petit mot sur le tourisme, sachant que bon, vous avez compris qu'il ne s'agit pas de d'écrire le budget, mais qu'on donne quelques couleurs sur nos orientations budgétaires. Il y aura d'autres sujets qui viendront au moment du budget, notamment sur le niveau social, Madame la Présidente du Pôle social. On a des projets aussi très, très intéressants. Luc alors juste quelques mots pour illustrer, euh, comme vous demandiez, monsieur le maire, euh, au niveau euh, de la valorisation du patrimoine, cette année encore, on va mettre un, un budget conséquent euh, sur euh, l'entretien et la rénovation du petit patrimoine qu'on a un petit peu partout sur euh, Beauger en Anjou. Alors juste pour illustrer, hein, c'est euh, les tableaux, les choses comme ça qu'on peut avoir dans les églises, par exemple. Euh, derrière, on peut vous inviter tout de suite le 31 mars prochain à bosser au réaccrochage d'un tableau, justement, qui vient d'être euh, finir d'être euh, restauré. Euh, autre élément euh, sur lequel on va travailler, alors là, je passe au camping. Euh, sur le camping, on a fait euh, une, euh, un audit en 2021 et cette année, on va finir la réflexion et on va commencer un petit peu le réaménagement. Euh, que ça soit paysager au niveau des, de, de l'hébergement. Euh, dernière illustration que je vous donnerai au niveau de la piscine. Euh, donc là, au niveau de la piscine, on va faire quelques aménagements, entre autres sur euh, les plages. Euh, les plages euh, avaient tendance à commencer à se fissurer un petit peu, donc on va commencer à faire des travaux pour euh, les restaurer et euh, proposer un peu plus d'ombrage, que ce soit aux baigneurs et au euh, personnel euh, encadrant. Bon, merci Luc de cette présentation. Donc vo voilà un petit peu quelques illustrations. J'ai oublié les, les pigeonniers à, à Bernard euh, euh, voilà, qui vont bientôt fleurir pour euh, des pigeonniers contraceptifs hein, pour euh, limiter la profération des pigeons. Donc euh, voilà un vrai sujet extrêmement sérieux parce que les pigeons euh, viennent, quand ils sont trop nombreux, euh, bah, abîmer notre patrimoine et créer des, des nuisances euh, je suis passé à Fougeray ce week-end. Voilà, je pense que le pigeonnier va être le bienvenu. Donc, c'est un mode totalement naturel. Il s'agit de contrôler, en fait, la prolifération des pigeons. Voilà. Merci à tous d'avoir illustré les, les investissements. Euh, je suis désolé pour ceux qui n'ont pas pu intervenir, mais on laissera la parole au pôle social parce qu'il a beaucoup de projets aussi. Et euh, voilà, je trouve qu'on a beaucoup de choses qui se font. Voilà donc le débat d'orientation budgétaire. Est-ce que vous avez des, des observations, des choses qui vous ont intrigué, que vous souhaiteriez qu on, auxquelles vous souhaiteriez qu'on réponde Voilà. Est-ce que ça vous paraît très complet tout ce qui est prévu Oui, il n'y a pas de, pas de difficulté particulière. Donc, c'est un débat qui ne donne pas lieu, si vous voulez, à vote, puisque c'est simplement un, un donné acte, comme quoi je vous ai présenté les grandes orientations budgétaires avec euh, les adjoints et présidents de commission. Voilà, donc s'il n'y a pas de questions, on va passer à un autre sujet sans doute très attendu, qui est le, euh, qui est le vote des subventions. Alors, on va essayer d'être bref avec une particularité ce soir. Enfin, pas une particularité, mais euh, nous le faisions déjà. Mais cette fois-ci, il faudra euh, le faire. Euh, il faudra sortir de la salle au moment du, où le dossier va être évoqué. Donc, on va essayer de, de passer par par bloc. Hein, donc, on, voilà. Je reviendrai sur le, le, au moment où je donnerai la parole à Jean-François. Bon, le principe de nos subventions, vous connaissez comment ça fonctionne. Hein. Donc, euh, la subvention, elle est là pour venir soutenir un projet et encourager une association dans la réalisation d'actions. Hein. Ce n'est pas fait pour conforter une bonne trésorerie. Donc, on regarde toujours. On a mis plusieurs priorités. Conforter l'emploi, réaliser un projet conforme au statut de l'association, faciliter la réalisation de l'objet social et soutenir les associations qui participent également au développement culturel, économique et à la sauvegarde du patrimoine. Donc, euh, bon, globalement, il n'y a, a pas beaucoup de suspense. On, on va soutenir, euh, on va reconduire beaucoup de subventions qu'on avait déjà euh, validées, euh, sachant que je rappelle une fois que la, la subvention n'est accordée que si elle est sollicitée. Elle n'est pas de droit. Je le dis parce que des fois, on croise des personnes. Bah, cette année, on n'a pas eu de subvention. Vous l'aviez demandé Ah ben non il faut la demander. Bon, euh, et puis, on a également... Euh, alors, on a des associations, Jean-François le dira peut-être, mais qui nous ont écrit pour nous indiquer qu'elles ne demanderaient pas de subvention pour euh, X raisons, soit que leur trésorerie est confortable, qu'elles n'ont pas pu mettre en œuvre des actions en 2021. Et bien évidemment, on est toujours à leur écoute s'il y a d'autres actions qu'elles souhaitent engager en 2022. Il euh, y a des règles de base pour les subventions des sociétés de boules de Ford. Je ne reviens pas sur le, ce point. On accorde 2 000 euros pour la réflexion d'un jeu. Euh, on subventionne le challenge communal, 250 euros à chaque fois qu'il est organisé. Et puis, on vient aider un peu les sociétés qui veulent faire des travaux d'économie de, d'énergie dans leurs locaux. Les sociétés de boules, on leur accorde 10 dans la limite d'un plafond de travaux de 10 000 euros. Les APE sont soutenues en fonction du nombre de classes. Donc, c'est 750 pour une, une, une APE où il y a quatre classes, 1 000 euros entre 5 et 7, et 1 500 euros pour les écoles de 8 classes et plus. Je rappelle qu'on finance euh, donc les voyages scolaires des écoles dans la limite de 50% tous les 3 ans. Euh, et puis on vient également aider euh, les enfants qui sont scolarisés dans des établissements extérieurs en, en accordant une subvention à l'établissement qui les accueille. Voilà, et puis on accorde aussi des subventions pour les villages linguistiques du, des collèges de Beaujean-d'Anjou. S'ils vont à Kestelbar, c'est une base de 20 euros. Euh, enfin, 20 euros en dehors de Kestelbar et 40 euros, monsieur le Président de Comité de Jumelage, par enfant qui se rend à Kestelbar. Donc j'invite les enseignants des deux collèges à favoriser le déplacement des enfants vers Kestelbar. Et puis, on accorde également des subventions aux associations sportives des collèges, et on aura un cas tout à l'heure. Les comités des fêtes ne sont pas oubliés, avec des subventions euh, en fonction du nombre d'habitants. Et puis, on peut aider également les anciens combattants, etc., etc., etc. Voilà, j'en ai terminé euh, des, du rappel des règles. Je vais maintenant, donc euh, euh, qui s'affiche devant vous, d'ailleurs, hein, les comités des fêtes et tout. Je vais donc donner la parole à Monsieur Culaurier euh, et je vais donc euh, inviter les Personnes qui sont membres. Donc, on va traiter dans un premier temps les subventions aux sociétés de boules de fort, jusqu'à euh, jusqu'au euh, jusqu au, au, au comice, euh, et au euh, je dirais comité des fêtes. Pardon, je cherchais. Donc, je demanderai à Madame Chapeau de quitter la salle, de Monsieur Jochet de quitter la salle et de Monsieur Joël Lambert euh, de quitter la salle. Voilà. Je donne la parole à Monsieur voilà Merci. Euh, je rappellerai en complément de ce que vient de dire M. le maire que euh, les sommes qui ont été... Euh, dans les règles, il s'agit d'un maximum. Ça ne veut pas dire que euh, les subventions sont systématiquement accordées à, à, à ce niveau. Alors pour ce qui concerne culture et patrimoine, alors je vais dérouler relativement rapidement. Donc c'était sur proposition de la commission Association... Euh, complété par la commission et validée par la commission Finance qui a ensuite aussi euh, été revue en, en municipalité. Donc euh, la commune, les amis des orgues de cheviré de Rouge, subvention proposée 2000 euros, l'association Grimaud de Chevire et de Rouge 750 euros. Les sociétés de Boules de Fort pour le challenge communal, il n'y avait pas d'autres projets à hauteur de 250 euros, elles sont listées devant vous. Euh, le Centre Culturel bourgeois Espéranto 80 euros. Le chant des grillons, 600 euros. La chorale musica de Cheviré, 450 euros. Et le comité euh, de commis de Pontigny, l'association de commis pour le commis de Pontigny, 2000 euros. Le comité de commis du canton de Beaujolais en Anjou, enfin du canton de la commune de Beaujolais en Anjou, pardon, 3 600 euros. Les comités des fêtes, euh, Bossé, 700 euros. 600 euros pour Cheviré, Cuon... Euh, 700 euros, 500 euros pour Montpollin, 700 euros pour Montigné, 500 euros pour Volandry. Connaissance du Beaugeois, 1000 euros. Alors, la Cour Alors, du Liège. On, on va s'arrêter là. On s'arrête là. On s'arrête là, s'il vous plaît. D'accord. Donc, est-ce que vous avez des observations sur ces propositions de subvention qui ont été triplement examinées Est-ce que vous souhaitez réagir Non Donc, je vous demander de vous prononcer. Y a-t-il des personnes qui sont contre des personnes qui s'abstiennent, donc ces subventions sont accordées. On va pouvoir faire rentrer donc M. Jocher, M. Lambert euh, et Madame Chapeau, s'il vous plaît, et on va continuer avec, euh, la, euh, connaiss avec connaissance du bourgeois. Voilà. Euh, connaissance du bourgeois, 1000 euros. La Cour du Liège, deux fois 2000 euros, puisqu'il s'agissait d'un rattrapage de 2021 qui n'avait pas pu être versé pour des raisons pratique euh, par rapport à la date de la demise de, de, du dossier, donc 2 000 euros pour 2021, 2 000 euros au titre de 2022. Euh, Expérience 49, nouvelle association, mais pour lequel un avis a été demandé pour la commission culture, donc la, la demande est mise en attente, hein, elle n'est pas pour autant refusée ni acceptée, mais elle est mise en attente. Compagnie du roi, 2 000 euros, 3 600 euros pour la plume de cheviré la Viva euh, Pays de la Loire, 150 euros. 6500 euros pour les cadets du Beaujois. Les cahiers du Beaujois, 150 euros. Les clés d'histoire, 800 euros. Mise en valeur du patrimoine de Cheviré, 300 euros. Opéra de Boger, 20 000 euros. Sauvegarde Alors on peut être une précision à ce sujet Oui, oui. Euh, donc euh, on, on va s'arrêter pour ces subventions-là puisqu'il y a d'autres personnes qui sont concernées par les dossiers qui suivent. Euh, donc oui, pour l'Opéra, en fait on, on réduit légèrement la subvention puisque la ville, en fait en accord avec M. Grimette, va recruter un chargé événementiel qui va les accompagner. Et en fait, les 25 000 euros, 27 000 euros qui étaient sollicités, c'était surtout pour leur permettre de recruter une personne chargée de l'événementiel. On pense que c'est plus simple que ce soit la ville qui le fasse sur quelques mois, ce qui explique la différence. Est-ce que vous avez des questions à poser sur ces demandes de subvention qui vous sont proposées, enfin les propositions de subvention Je mets donc au vote. Y a-t-il des personnes qui sont contre des personnes qui s'abstiennent. Merci. Je vais demander à Monsieur Bourillon et Mme Tessier de quitter la salle puisqu'il y a deux dossiers qui pourraient les concerner. Merci. Alors, il y a le Stellaciné, donc Jean-François, dont tu peux parler peut-être. Le Stellaciné, donc il a été proposer 10 000 euros, dont euh, au titre du soutien euh, associatif en particulier à, à, au cinéma, qui a, compte tenu de la crise, peut-être euh, eu des, des difficultés particulières. Donc on a souhaité euh, maintenir euh, cette subvention à hauteur de 10 000 euros. La sauvegarde du patrimoine de Vieille-Baugé à hauteur de 1500 euros. Et on en termine là pour la partie euh, culture et patrimoine. Alors je vais te donner une petite précision qui sera valable aussi pour les subventions suivantes. Vous voyez peut-être qu'entre ce qui a été demandé par les associations, soit au titre du fonctionnement. L'investissement à caractère exceptionnel, voire les challenges de Boule de Fort communaux, ça c'était pas particulier. Il peut y avoir une différence par rapport aux attributions de subventions qui ont été proposées par les différentes commissions. Globalement, on s'est appuyé sur la subvention de l'année 2021 qui ne figure pas sur le tableau que vous avez là. Parce que on a constaté de façon générale, alors ça fait, il peut y avoir des cas particuliers, mais de façon générale, que les trésoreries se sont quand même renforcées pendant la, pendant la période du Covid, hein, des associations. Ça ne veut pas dire qu'elles sont larges euh, pour autant. Hein. Ça veut dire qu'elles elles se sont renforcées parce que beaucoup, et comme l'a dit monsieur le maire tout à l'heure, euh, les subventions 2021 ont été versées aux associations et qu'un euh, grand nombre d'entre elles n'ont pas mis en œuvre tous leurs projets euh, sur l'année 2021. Et, et donc, à partir de là, on a eu des recettes, mais qui n'ont pas été engagées sur des dépenses en contrepartie. Très donc, bien. Oh, globalement, on a souhaité maintenir, mais pas forcément euh, amplifier la demande telle qu'elle était demandée. Très bien. Oh, il y avait très peu de demandes d'augmentation. Ça restait globalement raisonnable. Bon, maintenant, il y a fait. toujours la tentation de demander un petit peu plus. C'est logique, c'est humain. Mais globalement, on a des associations qui sont très raisonnables sur le territoire. Cela représente plus de 64 430 euros. Avec les deux dernières, je vais vous demander de, de valider la sauvegarde et le stélaciné. Y a-t-il des personnes qui sont contre Des personnes qui s'abstiennent Merci. Donc, on va passer à l'économie et je vais prendre la main. Jean-François, je vais te demander de quitter la salle. Donc, on peut demander voilà, aux personnes qui sont sorties de nous rejoindre. Alors nous avons euh, deux demandes de subvention, le club euh, Beaujois Entreprendre, mais surtout l'association la, la, de commerçants dynamique aux bourgeois. Euh, qui participent à l'animation commerciale euh, du territoire. Euh, au moment du marché de Noël, il y avait une animation, il y a eu des, un jeu d'organiser. Je discutais avec un, un des membres. Le jeu qui a été organisé euh, a permis d'identifier qu'il y avait eu au moins pendant la petite période de 15 jours un peu plus de 100 000 euros de consommés chez les commerçants du bourgeois Donc vous voyez, parce que. Vous grattez, vous achetez euh, et vous grattez 10, 15, etc. Et ça permet de chiffrer, le, le je dirais, le potentiel, le chiffre d'affaires réalisé. C'est loin d'être neutre en quelques jours. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Donc on vous propose avec la commission 7000 euros. Et puis euh, sur l'OKBV, qui est justement à l'origine des bons cadeaux et des bons d'achat, on vous propose de reconduire euh, une subvention d'équilibre. Hein, C'est une association qui fonctionne avec très peu de moyens, donc pour 6 300 euros. Donc sur euh, l'économie, l'économie étant principalement maintenant assurée par euh, la communauté de communes, on vous propose donc un peu plus de 13 300 euros. Est-ce que vous avez des questions sur ces deux aides, ces deux demandes, ces deux subventions? Pas de questions. Je mets au vote. Y a-t-il des personnes qui sont contre? Des personnes qui s'abstiennent? Merci, c'est adopté. On peut demander à Jean-François de nous rejoindre. Il ne faut pas vous éloigner de la salle, de la porte, hein, Joël. Hein. Euh, je poursuis avec euh, l'association du Gédon et je demande effectivement à Bernard Leclerc, qui est membre du Gédon, de quitter la salle. Donc il s'agit, vous connaissez l'objectif, enfin l'objet du, du GEDON, hein, c'est de, de, de détruire les nuisibles. Donc on, on, pense à, on pense à des ragondins, mais on peut aussi penser euh, à des, euh, des frelons, les frelons asiatiques, donc euh, ils interviennent. Alors on a un territoire qui est d'ailleurs très bien couvert par le FGEDON, parce qu'on s'aperçoit qu'en fait on a très peu de difficultés, notamment avec le frelon asiatique. Il y a un gros travail qui est fait en partenariat avec le GEDON et l'Assad. Euh, voilà, on a aujourd'hui quelque chose de très très intéressant, et puis nous accompagne également euh, pour la lutte contre la, la profilération de, de pigeons. Voilà, donc on vous propose euh, pour équilibrer les actions qui mènent sur le territoire 6 000 euros. C'est une subvention euh, quasi habituelle. Y a-t-il des personnes qui sont contre, des personnes qui s'abstiennent? Merci, c'est adopté. Je vais redonner la parole à, euh, ben euh, à Jean-François pour quelques dossiers. Je demanderai simplement au niveau d'Actenso Chantier à Christian Amar de quitter la salle, s'il est là, Christian, puisqu'il est membre du conseil d'administration d'Actenso. Donc, il ne peut pas participer au vote. Bernard nous rejoint. Je donne la parole à Jean-François pour les deux subventions qui arrivent. Oui, donc ça concerne donc on, maintenant on aborde le pôle social enfance et jeunesse et donc la première concerne les anciens combattants 150 euros et Actenso pour deux deux pôles, deux, deux activités pardon l'activité chantier 5 000 euros et l'activité Actenso service 15 000 euros. Alors j'ai rencontré le président oui. d'Actenso euh, samedi dernier, on a échangé sur une baisse effectivement de la subvention qui concerne uniquement le, le... Le point emploi. Euh, en fait, aujourd'hui, euh, d'ailleurs, je l'ai renvoyé madame, vers Madame la présidente euh, du pôle social parce que Actenso, et je trouve que c'est très positif, souhaite mettre en, en place des actions avec les bénéficiaires de la banque alimentaire parce qu'il se plaignait que jusqu'à maintenant, euh, il n'avait pas été trop sollicité. Donc, je dit que. Dès lors que c'est la ville qui reprend la gestion de la banque alimentaire, on va effectivement pouvoir mettre en place. Donc, voilà. En fait, aujourd'hui, la baisse de la subvention s'explique par le fait qu'on a aujourd'hui un pôle emploi à Beaufort, qu'on a des moyens de transport qui existent, que la Maison France Service permet aux demandeurs d'emploi de se connecter à distance. Enfin, on a plein de services qui existent qui n'existaient pas il y a quelques années. Et on a beaucoup, cette année, fait travailler Actenso. Hein, euh, comme agence intérimaire en fait ils nous, ils nous rendent un, un service important je, je salue d'ailleurs le travail qui est fait par cette association donc voilà je vais vous proposer de voter ces trois subventions si vous en êtes d'accord y a-t-il des personnes qui sont contre qui s'abstiennent, non pour les ADMR je vais demander à monsieur Cullerier, à madame Sanson de quitter la salle si vous voulez bien alors qu'est-ce qu'il y a comment je ne comprends pas ce qui se passe. Voilà. Ah oui, d'accord. Euh, oui, c'est ça. Donc, euh, au niveau des ADMR, vous savez qu'on a la chance d'avoir une association sur le territoire. Donc, on va vous proposer, effectivement, d'accorder euh, une subvention de 7 000 euros. Il était demandé 8 000. Bon, on estime qu'au vu des éléments du dossier, compte tenu du, du soutien aussi du département, que et de l'association départementale, les ADMR, que la somme de 7 000 euros est parfaitement justifiée. Voilà, donc je vais vous demander de vous prononcer sur cette subvention de 7 000 euros au profit des ADMR, qui est la subvention, je dirais, qu'on accorde habituellement. Y a-t-il des personnes qui sont contre Des personnes qui s'abstiennent Merci. Je vais poursuivre, donc on peut demander à nos deux conseillers de revenir. Euh, les APE, donc Jean-François en a parlé. Ça dépend du nombre de classes. Donc on applique effectivement le barème. Donc pour l'APE de Beauger c'est 1500 euros. On a une première demande pour l'APE du collège Châteaucoing, euh, qui justifiait cette demande par la nécessité de faire l'acquisition d'un barnum. Euh, donc ça, et puis surtout le fait de relancer des actions. Et donc, euh, pour le, le Barnum, on préfère que la ville mette à disposition le matériel, puisque nous avons du matériel, et euh, on, va leur, euh, on vous propose d'accorder une subvention de 2000 euros pour leur permettre, c'est un, un début, hein, l'APE du Collège Châteaucoin était un petit peu en sommeil, et là c'est reparti, donc on vous propose donc de les, de les subventionner à hauteur de 2000 euros. Et les autres, ce sont des subventions euh, classiques en fonction du nombre euh, d'élèves, enfin de classes. 1000 euros, euh, 750, 750, etc. Je précise que Sophie Sibylle a organisé une rencontre avec les APE dernièrement qui s'est très très bien déroulée. Et je salue aussi le travail qui est fait. Ça n'a pas été facile pour les APE cette année. Il hein. faut bien l'admettre, ça a été compliqué. Mais enfin bon, globalement, tout le monde a tenu. Voilà, donc pour les subventions. Euh, sur les clubs du troisième âge. Donc on est à 500 euros pour le club de l'amitié des Chimérés. Une subvention un peu particulière parce que les, les aînés des chimirés se sont engagés dans euh, les usages du numérique. Ils ont fait l'acquisition de tablettes, sauf qu'à Eschiméré, nous n'avons pas encore la Wi-Fi dans la salle des fêtes et ils prennent un abonnement. Et donc la subvention qu'on vous propose, c'est de couvrir euh, presque la totalité de l'abonnement qui est pris en attendant qu'on ait la fibre sur la commune déléguée de euh, vieille... De déchirer pardon donc ce qui explique les 500 euros autrement on est sur les, les subventions classiques je vais m'arrêter et, et puis à cœur à laine on accorde habituellement 250 euros je vais m'arrêter sur ces subventions là ce qu'il y a des personnes qui sont contre des personnes qui s'abstiennent c'est adopté à l'unanimité merci sur les trois sur le centre social je vais vous proposer de ne pas statuer ce soir sur la demande de subvention. Euh, bon, nous avons quelques questions aujourd'hui que nous avons posées et que je vais poser à nouveau. Et je souhaite rencontrer avec, les, avec Annette Sanson et puis Sophie Sibylle, Madame la Présidente du Centre social. Donc je vous demande, si vous en êtes d'accord, de sursoir à examiner ces demandes de subvention. Voilà. Le dossier n'est pas tout à fait ce qu'on attendait. Donc on veut des explications et on veut aussi travailler un petit peu plus sur les, les relations, les interactions qu'on peut avoir avec le centre social. Donc dans l'immédiat, ça nous paraît prématuré. Euh, par contre, je vous propose de valider, enfin de voter la subvention sur Famille rurale, si vous en êtes d'accord. Sur Galipette, si vous en êtes d'accord, à hauteur de 45 000 euros. Donc la subvention a diminué puisqu'en fait il y a eu une fusion de l'ALSH avec euh, le centre social. Donc euh, la subvention est moins importante parce que moins de dépenses. Je tiens d'ailleurs à, à souligner l'excellente qualité du dossier qui nous est présenté par l'association Galipette. Dire, c'est vraiment des dossiers extrêmement précis, extrêmement motivés, très justes, pas d'erreur. Euh, pas de tentation de demander un petit peu plus pour euh, avoir ce qu'on veut. On demande ce qu'on veut et on sait que c'est transparent. Donc je félicite les, les dirigeants. L'association J'aime Maison de la Fraternité qui nous demande 4 000 euros, je vous propose d'aller sur euh, 2 000 euros euh, et puis ce qu'on donne habituellement. La mission locale de Sommirois c'est donc euh, aujourd'hui euh, une participation pour aider les jeunes de moins de 25 ans de mémoire. Je regarde un net, c'est ça, voilà, c'est ça. Euh, donc, c'est 13 989 euros que nous donnons pour permettre aux jeunes de suivre des formations, de, notamment de, bah de, de retour vers l'emploi ou, ou d'aller vers l'emploi, tout simplement. Et puis, sur Solidarité réfugiée, Jean-François, nous attendions, je crois, des compléments. Non, on les, on les a eus. Ah bon bah On alors les on, a eu. et donc... il est proposé d'accorder de, 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 les 2200 euros. D'accord, très bien, parfait. Et puis, euh, Trampoline, l'association qui fait de l'aide euh, à la lecture, 500 euros. Et Vilibre, 100 euros. Je compléterai, Monsieur le maire. Vous n'avez pas cité les familles rurales, okay. c'est 1000 euros. Euh, le oui, temps, le temps qui a été euh, proposé. D'accord, très bien. Voilà, donc euh, en dehors de, d effectivement de la subvention au centre social qui est reportée, je vous demande de vous prononcer sur les subventions qui vous sont présentées. Pas d'observation, pas de questions. Je mets au vote. Y a-t-il des personnes qui sont contre Des personnes qui s'abstiennent C'est adopté à l'unanimité. On n'a plus personne à l'extérieur de la salle, Joël Bon, donc on peut continuer. Sport loisir, Jean-François, si tu veux. J'ai tout là. La... Non, il y, y a des moments où. Des gens oui, il y a des moments où tu quitteras la salle, tu t'arrêteras aux écureuils et Jérémy nous quittera au moment de beau jeu en Anjou. Jérémy Pichery, voilà. Très bien. Alors, sport et loisirs, euh, euh, association de Danse 49 euh, Cheviré, 250 euros. Association sportive du collège Châteaucoin Notre-Dame, 500 euros, comme on l'a dit tout à l'heure. Bogé Boxe en Anjou, 1500 euros. Alors, voilà. Jérémy sort. Je vais continuer, Jean-François. Si voilà. Alors association Beaujeu en Anjou, 500 euros. Voilà. Euh, je prends le relais pour les écureuils bourgeois, puisque Jean-François a été longtemps président de l'association la, et qu'il y a toujours des liens. Donc on vous propose de reconduire la demande euh, à hauteur de 10 000 euros. L'en avant bourgeois euh, qui demandait 20 000, on lui accorde 18 000 puisque nous avons une convention qui prévoit une descente progressive de la subvention. L'an dernier, c'était 20 000. Cette année, c'est 18 000. Et l'an prochain, on va renégocier la convention, puisque cette association a en fait plus de 23 000 euros de subventions, et on se doit de passer une convention d'objectifs. Donc, on renégocie tous les trois ans la convention d'objectifs. Donc, on va voir exactement. Ensuite, le football club de fougeray volandry Donc, on vous propose de leur accorder la subvention sollicitée, donc 3 000 euros. Le golf de beauger 2500 euros. Je vais demander à Evelyne Fortin de quitter la salle. Voilà, merci. Pour la subvention donc, euh, de la Gym Cléfoise, qui est une subvention d'équilibre, on vous propose 800 euros. Le Karaté Club, 700 euros, c'est toujours sa demande. Correa, qui est une association euh, qui vient faire des spectacles à Beaujard-d'Anjou et qui donne les cours aux jeunes en cours de danse 170 euros ce qui permet de payer les frais de SACEM les runners bourgeois qui organisent qui vont organiser un, un trail, j'espère cette année on propose des accompagnés à hauteur de 5000 euros subvention que nous avions voté l'année dernière mais pas versée puisque pas de manifestation le motoclub bourgeois même chose puisque c'est la subvention pour le grand prix de France je demanderai à Madame Bouletreau de quitter la salle pour l'Olympique bourgeois tennis. Euh, non, l'Olympique bourgeois, pas tennis, parce que <laughs> c'est une somme importante. Donc c'est pour tout l'Olympique bourgeois. Donc on va vous proposer une, une légère augmentation par rapport à l'année dernière, hein, pour un montant de 13 750 euros. Et puis la pêche des tentes de Kion, donc euh, on vous propose de 450 euros. Voilà, ce qui fait pour les associations sportives un peu plus de euh, bah, pratiquement 60 000 euros. Vous avez les montants qui s'affichent ici, c'est relativement euh, conséquent. Voilà, je vous demande de vous prononcer si vous n'avez pas de questions. Y a-t-il des personnes qui sont contre, des personnes qui s'abstiennent Merci. On peut demander aux conseillers de nous rejoindre. Donc, euh, nous avons quand même voté ce soir euh, un peu plus. Alors, je précise que nous accordons, Madame la Présidente, au CCS une subvention de 170 000 euros. Je voulais saluer le travail qui est fait par le CCS et sa Présidente et toute l'équipe. On a fait une analyse budgétaire remarquable, Madame la Présidente. On a regardé les choses précisément et on a puis on réduit un petit peu la subvention cette année parce qu'il y avait un excédent important dû au fait que l'année dernière, tout n'a pas pu être organisé. Mais bien évidemment, si le CCS a besoin d'une subvention complémentaire, nous serons là comme d'habitude. Voilà, le travail est très euh, remarquable. Et au niveau de la caisse des écoles, on va verser aussi une subvention d'équilibre de 170 000 euros en espérant que beaucoup de choses puissent se faire cette année. Voilà, donc. Euh, euh, j'ai fait voter. J'ai un trou. Non, non, je n'ai pas fait voter. Hein. Bon, je vous propose de, de vous prononcer. En fait, la, la vidéo, le contrôle vidéo nous donnera raison ou tort. Mais bon, je vais vous demander de re-voter au cas où, où j'aurais omis. J'ai un trou. Y a-t-il des personnes qui sont contre Des personnes qui s'abstiennent C'est donc adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Et on a pour terminer, donc si on peut demander à nos conseillers de rentrer. On a une demande de sponsoring habituelle, euh, 750 euros euh, pour l'association euh, Sport Compétition Loisirs. C'est du, du site du Cross. Et donc ce sont deux jeunes, euh, c'est des gens du territoire, M. Hamard de, de Cheviré entre autres. Euh, et ils ont fait des, des très, bons, très bons scores cette année, une fois de plus. Donc ils courent avec euh, le petit logo de la ville de Beaugeuil en Anjou. Voilà, mesdames et messieurs, nous avons validé toutes nos demandes de subventions qui sont relativement conséquentes, mais c'est nécessaire, et je salue une nouvelle fois le gros travail qui est fait par nos associations du territoire. Merci à elles. Nous allons poursuivre donc euh, notre conseil, en essayant d'être rapide. Donc, euh, je donne la parole à Laurent euh, sur euh, la traverse des C'est un avenant, hein, donc c'est pas compliqué, mais il faut le présenter à toi, Laurent. Oui, alors lors des travaux euh, qui ont déjà été exécutés il y a quelque temps, euh, il avait été convenu que les compétences eau-pluviale ou la maîtrise d'œuvre concernant la, ces, ces opérations-là, maîtrise eau et eau-assainissement, euh, soient pris en compte par la commune, Donc, alors que des, ce sont des compétences communautaires. Donc c'est un juste retour des choses. La commune va refacturer à la. CCBV, euh, le, le coût de ces études qui, qui incombait à ces projets. Très bien. Donc, c'est une convention classique hein, que, comme Laurent vous l'a expliqué, puisque quand on est deux, deux établissements, enfin, établissements public et une commune à intervenir, ben, c'est soit la côté de commune qui est maître d'ouvrage, soit euh, la, la ville. Donc là, cette année, c'était la ville. Donc, on refacture. Voilà. Donc, c'est vraiment une régularisation pour tenir compte de l'avenant, pour obtenir le remboursement. Y a-t-il des personnes qui sont contre Des personnes qui s'abstiennent Merci, c'est adopté à l'unanimité. On va poursuivre avec des demandes de dotation euh, au titre de la DETR. Madame Roux, je vais vous laisser lancer la présentation. Voilà. Oui, c'est le tableau de financement. Alors, par contre, si on peut grossir, ça sera formidable. Alors, la boutique Tremplin dont vous avez parlé tout à l'heure Jean-François. Vous voulez le grossir Est-ce que moi je ne l'ai pas en... Ah si, je dois l'avoir quelque part. Je pas. Voilà. Donc, euh, euh, nous avons la boutique Tremplin. Euh, tu nous en as parlé tout à l'heure Jean-François. Donc, on ne revient pas. Donc, on, vous, on, on estime les, les travaux euh, à un peu plus, effectivement, de 200 000 euros. Donc, on vous propose d'aller solliciter. Euh, de, euh, des subventions, notamment auprès de la DETR, donc pour un peu plus de 67 573 euros, donc la dotation d'équilibre des territoires ruraux et euh, les tiers-lieux, qui est un dispositif du département à hauteur de 25 000 euros. On pourrait espérer obtenir un peu plus de 92 000 euros de subventions sur le montant euh, hors taxe. Euh, ce qui laisserait à la ville un peu moins de, de 100 000 euros à sa charge. Donc là, c'est un dispositif qui peut être très, très intéressant. Je rappelle que cette boutique tremplin a vocation à être un, un lieu de rencontre. Euh, et un lieu d'animation du, du, du centre-ville avec notre manager des commerces. Tu veux nous dire un petit mot, Jean-François oui, C'était ça en fait. C'est à la fois de, à deux niveaux. Le, le rez-de-chaussée serait aussi serait à la fois un, un espace ou des espaces qui seront mis à la disposition de, de commerçants ou de personnes qui souhaiteraient porter un projet commercial et qui voudraient tester leur leur activité commerciale. Donc euh, d'où le nom de, de de boutique éphémère. Et puis l'étage viendrait. À, en, en complément du projet euh, sur euh, le, la Maison des Citoyens Connectés, avec un espace tiers-lieu, mais qui sera plus un espace tiers-lieu complémentaire à ce qui se fera par ailleurs, avec justement là plus une dimension commerciale sur une autre euh, sur une autre thématique. A, voilà, mais c'est bien un espace tiers-lieu. Et le troisième étage étant plutôt une salle de, enfin le deuxième étage pardon étant plutôt une salle de réunion. Voilà l'ensemble du projet, qui a été, comme je l'ai dit tout à l'heure, euh, établi en collaboration avec euh, les personnes qui avait été tiré au sort dans le cadre de la de Beauger en enjoue en commun de nos, de nos citoyens, concitoyens qui euh, ont souhaité porter et accompagner la, la, le, le projet avec nous dans cette, dans cette thématique. Très bien, donc euh, bon, les, les subventions on va les chercher, hein, c'est mon travail d'expliquer de, à monsieur le préfet et au département euh, nos projets. C'est un plan de financement prévisionnel, ni le montant des travaux n'est certain, ni le montant des recettes mais enfin c'est ce qui est possible en tout cas. Est-ce que vous avez des questions sur cette boutique Tremplin, qui est un beau projet Non. Je vous propose de voter. Y a-t-il des personnes qui sont contre Des personnes qui s'abstiennent Merci. Euh, la mise en sécurité du château, dont Jaqui nous a parlé tout à l'heure. Tu veux nous en dire un petit mot Ça, Voilà. On a les chiffres. Hein. C'est un gros projet. 185 000 euros hors taxes. Euh, voilà, donc on va essayer d'aller chercher effectivement des, des subventions aussi euh, qui restent à déterminer, notamment de la DETR, ce sujet, hein, pour 35 000, 35 Donc euh, voilà, donc euh, c'est quelque chose bah, qui aurait dû être fait effectivement depuis quelques années. Bon, voilà, maintenant, aujourd'hui, on s'y engage. Pas de questions sur cette demande de financement Y a-t-il des personnes qui sont contre Des personnes qui s'abstiennent Merci, c'est adopté à l'unanimité. L'église de Saint-Quentin, les beaux repères. Donc un beau projet qui va consister à réhabiliter l'église de Saint-Quentin. Donc nous avons une fourchette d'estimation à 600 000 euros TTC, donc 495 000 euros hors taxe, 500 000. Et nous pouvons espérer avoir 347 000 euros de subvention, ce qui laisserait... À la charge de la commune, à peine 150 000 euros pour réhabiliter l'église de saint quentin les bourpères Ça aussi, c'est un beau projet. Est-ce que M. le maire délégué de saint quentin les bourpères est heureux Oui. <laughs> c'est un projet qui attend depuis quelques années. Hein. Voilà, l'église de Saint-Quentin est magnifique. Il faut qu'on la, qu la maintienne dans un très bon état. Et voilà, il y a des belles choses qui peuvent se faire. Voilà. Pas de questions sur ce projet M'autorisez-vous à déposer la demande de subvention oui, pas d'opposition, pas d'abstention, que des votes favorables. Alors, euh, aménagement sécuritaire, boulevard Foch. Laurent, tu nous en dis un petit mot, s'il te plaît C'est qu'un projet hein, pour déposer. Voilà. Oui, pour pour l'instant, c'est encore qu'un seul un, un projet. Euh, ça mérite d'être finalisé. Hein. Euh. Oui. On n'a pas encore étudié réellement. Voilà. Euh, c'est une bon sur proposition. La TD a travaillé déjà un peu là-dessus, mais bon, c'est un projet qui mérite d'être largement, largement finalisé. Alors, c'est un projet qui consiste. Tout le monde voit le boulevard Foch qui passe devant l'ancienne gendarmerie. En arrivant de Beaufort, on a une route qui est très dangereuse, qui circule beaucoup. Et en fait, on veut sécuriser l'entrée de bourg. Donc, euh, aujourd'hui, euh, on, on dépose la demande de subvention sur une estimation euh, qui a été présentée et préparée par l'Agence technique départementale. Donc, euh, que je remercie au passage parce que le dossier est très complet. Maintenant, euh, à la commission euh, voirie de travailler pour affiner les choses. Et il y aura bien sûr des rencontres avec les riverains. Euh, mais là, l'objectif étant de, de, de déposer le, la subvention parce que... On a quelques dossiers qui sont importants et l'objectif, c'est de toujours avoir un dossier d'avance. Ce sera sans doute un projet qui ne verra pas le jour cette année, mais sans doute en début d'année 2023, si, si tout, tout s'allume, si tous les feux sont ouverts, si j'ose dire. Voilà, est-ce qu'il y a des personnes qui sont contre, des personnes qui s'abstiennent Merci. On poursuit avec le groupe scolaire aménagement premier étage. Oui, c'est ça. Euh... Oui. Bon, alors, un secret qui euh, ne va plus en être un dans quelques instants. La ville de beaugé en Anjou a, a postulé pour accueillir un service décentralisé de l'État, euh, du ministère de l'Intérieur. Voilà, euh, l'État a lancé un appel à projet et nous avons postulé. Donc, euh, nous proposons deux projets alternatifs. Soit au-dessus de l'école, enfin, aujourd'hui, au niveau de Loiselier, il y a un niveau euh, un peu plus de 300 mètres carrés qui est totalement libre, inoccupé. Donc, soit effectivement, on installera, si nous sommes retenus, les fonctionnaires à ce niveau-là. C'est peut-être une quinzaine de fonctionnaires qui pourraient venir. Ou alors, il y a un deuxième projet euh, qui est au sud, euh, qui est dans, dans la maison France Service on est sur un projet euh, donc l'aménagement du troisième étage voilà et on pourrait aussi les mettre à cet espace là donc pour l'instant rien n'est sûr on a déposé notre dossier qui a été considéré par l'état comme très intéressant on a un soutien important de madame la sous-préfète sur le sujet donc j'espère qu'on obtiendra euh, qu'on pourra accueillir des fonctionnaires donc du ministère de l'intérieur euh, sur notre territoire savez, il y a une politique de l'état qui consiste aujourd'hui à décentraliser quelques services euh, voilà, donc ça serait plutôt euh, intéressant. Donc euh, on propose deux, deux options et pour ces, chaque option, on vous propose de déposer une demande de subvention. Donc la réhabilitation du premier étage à Loiselire, c'est un peu plus de 400 000 euros de travaux TTC et on demanderait 35 de subvention. Et sur le second projet, c'est un peu plus, c'est pareil, hein, 415 000 euros aussi, puisqu'on a sur les mêmes surfaces à peu près. Euh, et on vous propose d'aller chercher 121 000 euros de DETR. Donc ça fait un autofinancement de 125 000 euros sur le deuxième projet, 221 de 000 sur le premier. Voilà donc l'explication de cette démarche. Y a-t-il des personnes qui sont contre Des personnes qui s'abstiennent. Merci. Bien évidemment si. Nous n'accueillons pas ces fonctionnaires, les projets ne seront pas mis en œuvre, même si globalement, je sens qu'au niveau de Lire, il y aurait un véritable intérêt pour réhabiliter le premier étage. Euh, création de jeux sur le territoire Fougeray, Saint-Martin-d'Arcé, Quion. On a la possibilité, donc on vous propose d'affecter environ 158 000 euros au TTC pour financer ces aménagements de jeux. Donc le conseil communal de Fougeray a a beaucoup travaillé sur un projet précis, celui de Saint-Martin aussi, et celui de Kion également. Donc euh, on, est, on est en phase, et donc l'idée, c'est d'aller chercher euh, des subventions. Je pense qu'on pourra aussi aller chercher dans le cadre euh, peut-être euh, du dispositif national d'appel à projet sur les projets sports. On a peut-être aussi des possibilités. Euh, je pense qu'au niveau des jeux, on, pour, on pourra voir. Donc je vous propose de valider ces. Vrai dossier de financement pour aller chercher les subventions qui correspondent, donc pour trois heures de jeu Fougeray, Saint-Martin et Quion. Pas d'opposition. Vote contre Non. Abstention Non. C'est adopté. Éclairage public. Laurent Biteau nous en a parlé tout à l'heure. Moderniser notre éclairage. Euh, ça nous permettra si tout notre éclairage public est modernisé on arrivera au bout du compte à faire un peu plus de 10% d'économie en fonctionnement et puis on sera en, aux normes environnementales et voilà il fera nuit la nuit et euh, on aura de la lumière quand on aura besoin de lumière donc ça c'est aussi important donc là on va l'idée c'est d'engager tous les ans une tranche d'environ 100 000 euros de travaux donc c'est relativement conséquent donc on vous propose d'aller chercher la subvention. C'est un peu compliqué. On travaille avec l'État pour que ce dossier puisse être accepté. Donc ça ferait 64 000 euros à notre charge. On perçoit une taxe d'électricité qui, qui représente environ 150 000 euros. La ville perçoit cette taxe tous les ans. Voilà. Y a-t-il des personnes qui ont des questions Des votes contre Des abstentions Non. C'est adopté. On continue. Vous voyez qu'il y a beaucoup de projets. Hein. Vidéoprotection, donc une extension de la vidéoprotection. Donc aujourd'hui, euh, on voit bien qu'il euh, y a des, des on, on a besoin d'étendre la vidéo. À la fois sur bougé il y a des zones de d'ombre un peu, et puis euh, sur certaines communes déléguées, on a quand même des dégradations qui ne sont pas acceptables. On voit que là, on pose des caméras, les choses s'apaisent et les, ça rassure les personnes. Donc il faudra peut-être dans votre tableau de financement, Madame Roux, ajouter la région. Je ne vois pas. Donc je vous propose d'ajouter la région qui finance aussi ce type d'équipement. Donc euh, voilà, si vous en êtes d'accord, ça ne modifiera pas les choses, mais ça réduira sans doute la, la part à notre charge. Je ne pense pas qu'on puisse cumuler la DETR et le FIPD, mais par contre, on pourra avoir la région effectivement à 45%. Très bien, euh, pas de questions. Je vous propose de valider ce projet de financement. Y a-t-il des personnes contre Des personnes qui s'abstiennent Très bien. Merci. Excuse-moi, excuse Oui. Euh, par rapport au ah. aux, oui. SDAL, il y a un financement aussi au niveau du TEN qu'il faudra aller chercher. On l'avait mis, mis dedans, donc euh, il, y a, il y a de l'argent ah. qui est prévu pour le, dans ce cadre-là. Bon, merci Vincent, on va compléter, effectivement. Oui, oui, ça me revient, oui, oui. Oui, oui. On a beaucoup de dispositifs qui peuvent être actionnés. Oui, oui, c'est vrai. Et puis, euh, dernier, euh, dernier projet. Euh, c'est euh, ce dont Jackie Boyot parlait tout à l'heure. C'est euh, alors, c'est pas tout. L'idée, c'est de transférer, vous savez, la médiathèque dans l'Hôtel Dieu. Euh, donc plusieurs tranches. Et là, il s'agit de refaire. Euh, non, là, ça ne concerne pas la, la médiathèque en tant que telle. Ça concerne le bâtiment. Où on peut être aidé. Donc on a environ. Euh, euh, 1 200 000 euros euh, hors taxe. Donc TTC, ça doit faire un petit peu plus que ce qui est indiqué, mais ce n'est pas très grave. Ouais. Ou c'est le contraire. Ça serait peut-être. Non, 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 non C'est une erreur du TTC. Ça. Une erreur du TTC. Ouais, voilà. Et, et donc, euh, on pourrait, au vu de, 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 des subventions fléchables, flé, qu'on peut flécher, voilà, on va y arriver, sur le, le dossier, on pourrait aller chercher un peu plus de 940 000 euros de subventions, ce qui est. Et globalement, je pense que tout ce qui est inscrit là est, est, est atteignable compte tenu de la valeur patrimoniale du bâtiment. Vous voyez que ça coûte cher de, de réhabiliter des bâtiments, mais on a quand même un soutien d'État qui, qui est relativement conséquent. C'est clair. Je tiens à le signaler. Autant des fois, je ne suis pas... voilà. Je... J'ai ma façon de voir les choses, ma liberté de parole, mais je trouve que là, sur le, le patrimoine, l'État joue un, un rôle important. Ce n'est pas avec euh, M. Stéphane Bern et l'Auto du patrimoine qu'on dira le contraire. Voilà, donc euh, on enclenche. Donc là, bon, le, le, dossi le dossier, comme l'a dit Jackie, hein, est très complexe, très difficile. Voilà, donc euh, on vous propose de valider ce plan de financement. Y a-t-il des personnes qui sont contre Des personnes qui s'abstiennent Merci. Euh Total projet dont on vous a présenté les financements, c'est 3,7 millions Donc c'est des nouveaux projets hein, qui s'additionnent avec les anciens, et on espère obtenir un peu plus d'un million trois de subventions de l'État, sans compter la région et sans compter les autres partenaires. Voilà, donc euh, un travail important qui est mené. On a avancé beaucoup là, subitement sur l'ordre le, le, du jour. Voilà. Je vous propose maintenant d'évoquer le point 7. L'achat La d'une parcelle commune déléguée de Chartrenay. Est-ce que madame le maire de Chartrenay, déléguée de Chartrenay, veut nous dire un petit mot sur ce beau projet Il y a une personne qui va empêcher madame le maire déléguée de Chartrenay de s'exprimer. Alors, je vous propose de vous prononcer sur l'achat d'une parcelle de 2136 mètres carrés. C'est une parcelle qui appartient au comité des fêtes de Chartrenay, au prix de 1500 euros. Euh, cette parcelle actuellement est dans, un, dans son état, quoi, dans son glue, on va dire. Il euh, y a un, un hangar dessus euh, vieillissant, et euh, ça permettrait euh, de faire une aire de stationnement en herbe, si possible, pour éviter aux voitures de se garer un peu partout sur la commune et gêner un peu les habitants. Et en plus, cette parcelle est attenante à la voie verte, donc ça pourrait faire un accès direct, donc permettre d'avoir une aire de pique-nique. Alors, le plan qui vous a présenté n'est pas contractuel, mais c'est Madame le Maire déléguée de Chartrenay qui nous a présenté le plan. Donc, vous voyez, c'est intéressant. Euh, ben, un petit projet qui peut avoir son intérêt pour euh, et l'aspect la, touristique euh, et puis la commune de Chartrenay, parce que et ça permettra d'avoir un petit, un petit point. Mmh d'accueil et qui peut qui peut vivre parce que c'est vrai que parfois sur la voie verte on est un petit peu la problématique du stationnement est, est bien réelle voilà donc c'est un petit projet mais qui a son importance et si je peux me permettre il y a beaucoup de passages sur Chartonnay sur la voie verte c'est vrai il y a même des gens qui courent le dimanche il y a voilà euh, avez-vous des questions à poser Madame le maire déléguée de Chartonnay un beau projet voilà, je vous mets au vote. Y a-t-il des personnes qui sont contre Des gens qui s'abstiennent Merci. C'est adopté. Le projet 8 a été voté tout à l'heure à l'avis de la Commission. Euh, donc, euh, un sujet concernant l'acquisition d'un terrain appartenant à M. Grosbois. Alors, qui devait rapporter Sauf erreur. Talam, palam. Euh, je retrouve. Ah ben c'est moi, voilà, c'est assez simple. Alors je, je crois que Madame le Maire déléguée de Beaugé est allée sur place, peut-être avec Monsieur Bito. Ben peut-être que Laurent va nous en dire un mot, ça sera mieux. Et puis Franck, voilà, c'est ça. L'un ou l'autre. Allez, Franck. Alors, très simplement, nous avons rencontré donc, euh, les consorts Grosbois qui habitent euh, Chemin de l'Ormeau à Beauger. Euh, ils sont disposés à nous céder une part, un morceau de leur euh, terrain qui permettrait d'élargir la voirie communale afin d'améliorer la desserte, la circulation euh, dans cette petite rue qui est quand même très étroite. Euh, à terme, cela permettrait aussi. Éventuellement de desservir plusieurs parcelles qui pourraient être construites sur les terrains qui se trouvent à l'arrière. Donc voilà vente à l'euro symbolique de cette bande de terrain. Si Laurent veut compléter. Non non tout à fait il n'y a rien à dire si ça va servir aux futures parcelles et aux, aux, déjà aux, aux parcelles qui sont déjà construites. Oui, il y a un intérêt général à, à effectivement élargir cette rue euh, parce que d'une part les, les véhicules de service ont beaucoup de difficultés pour l'emprunter, ce qui pose problème. Donc si on veut que l'habitat se développe et il y a beaucoup de terrain de ce côté-là, il faut qu'on élargisse euh, cette voie pour euh, faciliter les constructions. Vous voyez, c'est aussi une manière de d'améliorer, de faciliter la construction en autorisant des particuliers à, à, à voilà, en, en élargissant une voie, on, on autorise des particuliers à construire. Pas d'autres de, pas de, questions sur ce sujet Je mets donc au vote. Y a-t-il des personnes qui sont contre Des personnes qui s'abstiennent Merci. Alors, je vais faire ça en binôme avec, avec Patrick. Euh, donc, nous sommes sur Fougerie. Euh, donc, un projet important. Donc, en fait, euh, nous avons fait l'acquisition, vous vous souvenez certainement, euh, par euh, voie de préemption d'une un, parcelle. Alors nous sommes aujourd'hui nous propriétaires, vous voyez, nous sommes euh, propriétaires aussi de la parcelle 100, je, 170, 170 qui est à l'arrière. Mais, mais là il est question de la première parcelle euh, où euh, nous avons euh, travaillé avec Ménéloir Habitat euh, pour que Ménéloir Habitat réalise donc 10 logements. Donc euh, l'idée c'est de, euh, de céder euh, ou de conclure un bail amphithéotique. Avec Ménéloir Habitat, on va apporter cette précision parce que, comme nous avons fait l'acquisition par préemption, je ne suis pas sûr qu'on puisse céder directement, donc via un bail amphithéotique, euh, à l'euro symbolique de toute façon, ces parcelles-là, pour permettre à Ménéloir Habitat de construire. Sachant que l'opération n'est pas équilibrée financièrement pour Ménéloir Habitat. Et euh, aujourd'hui, on nous propose, on nous demande une subvention de euh, 15 000 euros. Vous avez peut-être le plan de présentation Hop. Voilà, un peu vite. Donc là, euh, effectivement, c'est 10 logements euh, collectifs hein, qui, sont, qui sont prévus. Euh, si vous voulez descendre juste après. Voilà la parcelle. Donc les logements seraient en façade. Et puis derrière, nous aurions des places de stationnement. Sachant que derrière, on se réserve la possibilité, Patrick, puisque la commune est propriétaire d'une parcelle. C'est une parcelle communale. Oui. Voilà. Donc si tu veux dire un petit mot sur le projet, Patrick bah écoute, euh, oui. Euh, donc, euh, c'est un projet en lien avec Ménéloir Habitat pour donc euh, 10 logements à la place de cette maison qui est en obsolète, on va dire, euh, 10, moitié euh, T2, moitié T3 en locatif avec, euh, donc comme tu le disais, un emplacement de, de voiture, parking. Avec la possibilité donc par le futur de compléter avec cette parcelle communale qui est la numéro 170. Voilà. Il y a également un fait important, c'est qu'il y a une petite zone quadrillée qui, de façon à ce que la nouvelle construction soit en lien et en alignement par rapport à l'existant, de la continuité de la rue Richard peur Voilà. Tout à fait. Alors Aude, une question à poser. Pardon, J'ai une question. Euh, tous ces nouveaux logements, lotissements sont pensés de manière classique. On n'est pas dans quelque chose qui s'approcherait de l'écoquartier ou d'une pensée un peu plus intégrée alors, de ces nouveaux lotissements Alors, si, si, on est sur des, des modalités de construction environnementale élevées. Oui, Luc, tu peux dire un petit mot oui, à la différence des logements précédents, c'est qu'il y a une nouvelle réglementation qui s'appelle réglementation environnementale qui a remplacé la réglementation thermique précédente. Elle est en vigueur depuis le 1er janvier 2020 et tous les permis de construire déposés doivent prendre ça en compte. Et aujourd'hui, sur ces bâtiments-là, on va faire le bilan. Euh, avant construction, de l'énergie qu'ils ont consommée avant, du carbone qu'ils ont stocké ou du carbone qu'ils vont avoir dépensé pour le construire et en sachant qu'il y a des valeurs seuil. Donc, l'amélioration, elle est automatique du fait du niveau réglementaire qui est totalement différent depuis le 1er janvier, alors 2022. Bon, et puis, Ménéloir Habitat est, est labellisé Lucie aussi, donc euh, comme nous, et s'engage dans une démarche environnementale. Alors, ce que, ce que je voulais dire à l'attention des, des habitants de Fougeray, c'est que euh, c'est une étape effectivement supplémentaire hein, que la ville engage, parce qu'on euh, estime que sur Fougeray, il y a matière à. On, on a le centre-bourg, euh, qui, qui, qui est un peu compliqué, il faut bien l'admettre, avec des, des vieilles maisons, souvent en très, très mauvais état, inoccupées, mmh. oui. certaines abandonnées. J'ai encore refait un petit tour dimanche matin pour euh, regarder no notre projet. Bon, euh, Fougeray, il y, a, il y a une école, il y a une belle école, il y a des commerces. Il faut vraiment qu'on qu ramène de l'habitat, sans pour autant s'étendre sur le, le domaine agricole. Mais là, euh, avec ce, ce projet, on est dans le cœur de Bourg. Ça voilà, fait partie et, des dents creuses. Oui. Voilà, ça fait partie des dents creuses, donc euh, c'est important. Alors, Ménéloir Habitat n'arrive pas à équilibrer l'opération. Hein, l'opération, c'est quand même, pour Ménéloir Habitat, je le dis, un peu plus de 1,2 million d'euros. Pour faire dix logements. Bon. Donc, il demande une participation de la ville de 15 000 euros que je vous propose de, de valider. Vous voyez que ce n'est même pas 1 000 euros au logement, enfin un peu plus de 1 000 euros au logement, mais l'idée, c'est vraiment d'accompagner. Oui, Jérémy Alors, euh, dans le micro, Jérémy. Voilà. Le devenir de la parcelle 170 m'échappe. Alors, la ville est propriétaire à l'arrière. Et vous voyez que Ménéleur Habitat prévoit une voie, d'accord Mais aujourd'hui, euh, on ne se ferme pas à la possibilité d'ouvrir la construction de cette parcelle derrière. Mais aujourd'hui, en l'état du plan de financement, compte tenu du fait qu'il faut démolir, si vous allez sur place, vous verrez il y a beaucoup de bâtiments à démolir, des vieilles maisons, des hangars. Compte tenu du coût de démolition, Ménéleur Habitat n'arrive pas à faire rentrer le projet dans, sa, je dirais, dans son cadre financier. Donc il ne peut faire, dans un premier temps, que cette partie-là. On va voir ensuite comment on peut faire. Soit c'est Ménéloire Habitat qui, qui fera une deuxième extension à l'arrière. On sera plutôt sur des maisons individuelles, hein, euh, des petits collectifs. Donc là, ça sera 3-4 maisons, hein, je crois, Patrick. Ça pouvait faire. ce sera 3 de prévus, oui. 3. Ou alors, euh, ben, on fera appel à un autre promoteur qui viendra construire à l'arrière. Mais l'idée, bien évidemment, euh, on ne se ferme pas avec cette voie d'accès. Mais pour l'instant, elle n'est pas dans le projet. Donc là, c'est 10 logements en petits collectifs. Hein, donc quelque chose de, de sympathique. Hein. Il ne s'agit pas de mettre un 5 étages. Hein. C'est R plus 1 plus euh, comble. Donc ce n'est pas très haut. Mais ça va permettre de faire 10 beaux logements. Quoi. Donc des logements de plein pied aussi. En sachant que cette parcelle 170, c'est encore un début par rapport aux dents creuses qui suivent encore. On a plein de dents je, je creuses. Je crois qu'on n'a pas fini voilà. de parler de Fougeray euh, au Conseil municipal. Attends. Il y a des, des sujets intéressants. à mettre qu'on en... avance Oui, on avance, on avance. On y arrive. Est-ce que vous avez d'autres questions à poser sur ce sujet Non. Donc je euh, vous invite à vous prononcer. Y a-t-il des personnes qui sont contre? Des personnes qui s'abstiennent. Je vais donner la parole à Annette Samson pour les logements rue Vive, qui connaît parfaitement le dossier. Voilà, Annette. Donc euh, il est prévu de réhabiliter des logements rue Zaméneuf. Donc c'est une propriété de Ménéloire Habitat. Donc il y aurait 8 logements qui seraient réhabilités de type 2 et type 3, donc 5T2 et 3 type 3. Et puis une construction de 6 pavillons également dans le jardin au fond de la... Vous pouvez voir sur le, sur le plan avec 4 types 2 et 2 types 3. Donc c'est vraiment un projet intéressant puisqu'il y a aussi de la... Euh, de la réhabilitation de, de logements, c'est vraiment bien situé rue Zamenhof donc c'est un projet assez euh, qui peut être innovant et intéressant. Alors là, nous ne sommes pas propriétaires, hein, donc c'est Ménéloir Habitat qui est propriétaire. Donc il vous est proposé parce que là aussi c'est un problème d'équilibre financier. Hein, on n'arrive pas à, à Habitat n'arrive pas à totalement à équilibrer. Donc euh, c'est quand même là encore un projet de 5,7 millions million c'est pas rien parce que la réhabilitation coûte cher et, et c'est intéressant parce que c'est déjà occupé par l'association Vive donc ça permettrait d'améliorer le, le confort des usagers de Vive hein, qui accueillent des, des personnels, des personnes handicapées et puis d'avoir à l'arrière des, des bâtiments un peu plus un peu plus grands. sur le lotissement. Qui donnerait aussi sur le, euh, le lotissement. Il y a un espace là c'est encore, euh, encore un, un problème de dent creuses, hein, d'espace vide à l'arrière qui est totalement inoccupé. Et euh, il y a moyen, dans un environnement paysager, de, de faire des choses très intéressantes. Donc là, là, notre participation, elle est demandée à hauteur de 25 000 euros. C'est bon Des questions sur ce beau projet Non Donc je vous invite à vous prononcer. Y a-t-il des personnes qui sont contre Des personnes qui s'abstiennent Merci, c'est adopté à l'unanimité. Euh, je vais donner la parole à Patrick sur la commune déléguée de Fougerie. On va parler terre agricole. Oui, tout à fait. C'est une parcelle communale qui était donnée à l'occasion à Monsieur Thierry Bouteiller du GAEC de Favril. Euh, ce monsieur, approchant de la retraite, a décidé de s'associer et de créer une EARL avec la bousserie Monsieur Edin. Euh, ce qui fait que bon il bah, y a l'autorisation de la DRAF euh, ils ont pour exploiter les parcelles et euh, c'est juste la continuité un changement d'intitulé en fait euh, voilà oui faut qu'on délibère parce qu'il y a un changement de preneur fait. en fait mais euh, on, juridiquement on n'a d'ailleurs pas trop le choix puisque c'est un apport euh, de l'exploitant actuel à une structure mais on doit quand même valider pour valider cet apport après question oui. bon, ça permet de conforter une entreprise bien implantée sur Fougeray. Tout à fait, et puis voilà. de créer un ensemble de, de trois parcelles uniques. Mmh. Très bien. Donc pas d'observation, mesdames et messieurs, sur le sujet. Je vous propose de valider. Y a-t-il des personnes qui sont contre Des personnes qui s'abstiennent C'est adopté. Merci. On poursuit. Alors, on va revenir à l'environnement. Je donne la parole à Vincent Ouvrard pour nous présenter un certain nombre de sujets sur les espaces naturels sensibles. Merci. Donc, comme tous les ans, c'est dans, le, dans le cadre de, du département pour la, le plan de gestion des, de nos ENS. Donc, on, la demande de subvention auprès du département. Donc, voilà, la, donc sur la vallée du Kouinon, bon, c'est la poursuite de tout ce qu'on a déjà engagé. On ne va peut-être pas rentrer dans le détail, vous le savez plus ou moins. La, la chose importante cette année, c'est le département qui nous demande de faire une évaluation. Parce que ça fait quand même cinq ans qu'on est en plan de gestion, donc il se termine. Donc, il nous demande de faire une évaluation par rapport à tout ce qui a été fait sur, le, sur la vallée du quoinon et en même temps bah, d'écrire le nouveau plan de gestion, enfin pré la, préparer l'écriture du nouveau plan de gestion de, pour les cinq ans à venir. Donc là, ça va être un, un gros travail au niveau de la, de la LPO pour réaliser ce, ce diagnostic. Donc voilà, ce qu'on voudrait faire aussi, c'est peut-être agrandir le champ d'action sur la vallée du Quanon et aller sur tout le chevelu, c'est-à-dire le, le brocard et tout ça, voir s'il y a des choses intéressantes à, à découvrir. Euh, voilà, donc après, on peut passer à la vallée, à la vallée des cartes. Donc là, c'est pareil. Hein, on, on poursuit nos, tout ce qui est engagé. On va finir le, notre, notre sentier avec la pose, la pose, des, la pose des panneaux. Après, on a le suivi écologique des parcelles que l'on a mis en que a mis à l'écopâturage. Donc ça, c'est une demande aussi du département pour savoir voilà, comment évoluent les parcelles qui ont été pâturées cette année. Euh, alors après, le, on continue aussi le, le diagnostic pour les DIA. Vous savez toujours que sur Volandry, quand il y a des DIA, ben on, a, on demande au CED son avis pour savoir si c'est si intéressant de préempter pour, pour différentes raisons. Donc voilà, on, on va continuer. On, on vous propose de continuer ça avec eux. Il y a l'étang du Pré-Noir. C'est un, un étang qu'on avait qu acheté à la sortie du, du bourg. Donc voilà, donc on... Là, par contre, ce qui serait bien, c'est le, le bourg de Volandry toujours. Le hein. bourg de Volandry. On est toujours sur Volandry. La vallée des Cartes, c'est Volandry. C'est un étang qu'on a acheté il y a deux ans. Donc là, ce serait pour, le, pour nettoyer autour, parce qu'on sait qu'il y, y a quelques, il y a un vieux mobilon qui traîne, il y a différentes choses. Donc euh, l'autre jour, ces étangs-là ont été, ben, on, on pourra en parler après, parce qu'il y a aussi l'étang qui est derrière l'église pour faire un, un accompagnement technique si on, si on décide d'y faire les travaux, parce que l'autre jour on a eu une réunion assez importante avec la Police de l'eau, enfin, les différents services de l'État, la DDT, police de l'eau, le, le, les différents syndicats, euh, l'agence de l'eau, pour savoir ce qu'on pourrait faire sur les, les, sur les étangs, s'il si faut qu'on fasse des travaux, oui ou non, ce qu'on peut y faire, à quel prix. Euh, voilà, donc il y, y a beaucoup de partenaires, qui, des gens qui sont intéressés par ces étangs pour les réhabiliter, peut-être les remettre carrément, peut-être en, en supprimer un étang parce que pour eux, ça peut être intéressant. Ça permet aussi, de, par rapport à la GEMAPI pour ça, faire des zones, des zones tampons. Donc là, il y, a les, il y a vraiment beaucoup de financeurs qui sont intéressés pour ce projet, pour faire un peu un projet école, quoi. Voilà ce qu'on pourrait faire sur certains étangs qui n'ont plus, de, plus de, de vocation, qui sont à l'abandon. Et bon, et on arrive à la même chose que pour la, la vallée du Quainon, donc l'évaluation, et puis ensuite réécrire le, le, nouveau, le nouveau plan de gestion pour les cinq années à venir. Autrement, on continue toujours nos animations scolaires. Donc, euh, on a changé un peu de stratégie, cest que maintenant, on, on se réserve plus, euh, parce qu'avant, ils se déplaçaient dans beaucoup d'écoles, maintenant on a choisi de travailler plus sur deux écoles, ou selon les, les demandes des, euh, des, des écoles, et ils vont faire un travail beaucoup plus long et beaucoup plus euh, approfondi avec les écoles. Ce ne sera pas seulement une demi-journée, là, ça va être plusieurs jours. Quoi. Donc, ce sera vraiment des, des gros projets avec les écoles. Donc voilà, deux écoles intéressées, loiseau et, et Bossécuillon. Donc voilà le plan, de, le plan de financement maintenant vous, vous le voyez donc là c'est toujours les, les subventions département. Donc avant on avait seulement le département qui nous subventionnait à 60%. Donc euh, maintenant on a, le, on a le TEN, donc euh, la région qui nous subventionne aussi. Donc on peut monter jusqu'à 20%. Mais là on... Là, on monte à peine à 20% parce qu'on préfère réserver pour d'autres... Parce que le, le, le TEN, on a, eu, on a eu 115 000 sur les trois ans qui viennent. Donc voilà, il faut qu'on le répartisse sur différentes choses. Là, on pourrait demander 20%, mais on préfère demander sur d'autres actions où on n'a aucune subvention, donc comme, comme le plan arbre par exemple. Voilà, donc on pourrait un peu sur chaque, sur chaque projet. Voilà, donc, euh, ouais. Sachant que sur ces projets-là, il y a encore des... Là, c'est que les subventions sur... Enfin, si le, si le département nous l'accepte naturellement, et autrement, on peut aller chercher d'autres subventions au niveau de l'agence de l'eau et mmh. sur différents projets. Mmh. Très bien, merci Vincent. Vous voyez, le montage d'un dossier, c'est l'action, c'est les actions qu'on veut mettre en œuvre, mais c'est aussi pouvoir euh, ajuster le plan de financement pour aller chercher ce qui est intéressant pour la collectivité. Il y a parfois, il faut savoir ne pas consommer toute la subvention pour pouvoir l'utiliser sur d'autres projets. Donc, euh, bah c'est bien pensé. Bravo. Avez-vous des questions à poser à Vincent sur ce programme d'action 2022 avant de parler de la carte partenariale pluriannuelle Des questions Non Je mets au vote. Y a-t-il des personnes qui sont contre Des personnes qui s'abstiennent Merci, c'est adopté. Donc on poursuit, Vincent, toujours avec la convention de cadre partenarial. Oui, donc sur la cartes, on a un cadre partenarial avec le CPIE, le Centre Permanent d'Initiative à l'Environnement, et le SEN, le Conservatoire des Espaces Naturels. Donc voilà, on est en tripartite dessus. Donc euh, pour ce genre de projet, c'est ce euh, reconnu d'intérêt l'intérêt général, c'est pour ça qu'on a obligé de faire d'appel d'offres pour, pour travailler avec eux. Donc ça, ça se fait naturellement, on n'est pas obligé de demander à différentes. Euh, faire un appel d'offres pour travailler avec eux. Donc voilà, donc ça déjà, on a déjà passé nos cinq années à travailler avec eux, ça se passe relativement bien. Ils se gèrent sur des choses différentes, ils sont tous les deux du territoire. Ce sont des... Donc voilà, ce qu'on propose, c'est de reconduire cette, ce partenariat en tripartite. Donc voilà, c'est fait aussi avec, c'est suivi par le, par le département, bien sûr, hein, les services environnement du département. Euh, donc voilà, de repartir pour cinq ans, pour une, pour une convention avec nos, nos deux partenaires. Très bien. Parfait. Merci de cette présentation donc, complète. Je pense que ça pose pas de difficultés particulières. Je mets au vote. Y a-t-il des personnes qui sont contre, des personnes qui s'abstiennent Merci. Euh, nous allons évoquer euh, maintenant un, un sujet que vous, qui vous a déjà été euh, présenté, mais qu'on revient à, devant le Conseil. C'est un projet de création d'un atelier euh, par M. Oder, donc ornementaliste, ou ornemaniste, pardon, ornomaniste, sur euh, la commune déléguée de Bossé. Donc, en fait, aujourd'hui, euh, M. Oder a la possibilité de construire un atelier pour assurer l'accueil de, de, de nouveaux euh, employés et puis surtout de faire de la formation, puisqu'aujourd'hui, effectivement, euh, bah, M. Oder est un des derniers euh, ornementistes en France euh, à, à travailler et, et à former. Donc, il est meilleur ouvrier de France. Donc, il a identifié une parcelle qui est à la sortie du bourg. Alors, vous me direz pourquoi est-ce qu'il ne va pas dans la zone d'activité en fait, il ne va pas dans la zone d'activité parce qu'il va continuer son activité aussi chez lui dans le centre-bourg. Et donc, euh, bah, pour des raisons pratiques, il ne voilà, il veut pas être trop loin, euh, sachant qu'il veut avoir un, un, un complément de deux activités, puis le jour où il cédera, bah, il cédera le, le, le bâtiment. Donc là, il a trouvé un financeur qui l'accompagne. Et donc, euh, euh, il, est effectivement, euh, bah, il a la volonté d'investir, il a la volonté de former, il a la volonté d'embaucher. Donc tout ça, c'est bien pour... Euh, l'intérêt général et la commune déléguée de Beaujean en joux enfin la commune déléguée de Bossé et Beaujard-en-Joux, bien évidemment. Donc vous avez une délibération très complète qui explique le, le démarche, sachant que le PLU de Bossé avait été annulé. Donc c'est à nous de nous prononcer pour que le dossier puisse passer en CDPNAF le 4 février prochain. Donc il s'agissait de remotiver un petit peu notre délibération qui ne mettait pas suffisamment, semble-t-il, en avant l'intérêt général. Mais là, c'est vraiment un beau projet. Un atelier de 1500 m je crois, Laurent. Hein Donc, sur une parcelle qui a été réduite, qui était... Vous voyez qu'elle elle faisait 2 hectares avant. En fait, M. Oder l'a réduit à 10 000 m2, un hectare, euh, ce qui est plus compatible avec un certain nombre, euh, je dirais, d'éléments euh, environnementaux. Est-ce que tu veux compléter, euh, Laurent, sur le sujet euh, Tu as été très complet, oui. oui. Et puis, bon, bon, il faut prendre en compte l'augmentation de, de, des emplois aussi. Tout à fait. Très bien. Bon, donc je vous demande, au vu de la délibération qui a été prise, de vous prononcer. S'agissant d'un projet économiquement fort, je vais vous demander de vous manifester en levant votre main si vous êtes favorable. Si vous êtes favorable, veuillez lever la main. Merci. Ceux qui ont des pouvoirs ont les mains. Voilà, c'est ça, les deux mains. Ceux qui seraient euh, contre et ceux qui s'abstiendraient. Donc c'est adopté à l'unanimité. C'est un, un beau signal que nous envoyons à la famille Oder. Voilà. On va entamer la dernière euh, ligne droite avec euh, euh, donc, euh, quelques décisions en matière euh, donc, de euh, ressources humaines. Je donne la parole à Jean-François sur des avantages en nature et en nourriture. Oui. Il s'agit en fait de délibérer sur des avantages en nature qui sont consentis à des agents. Euh, dans le cadre de leur activité, dans le cadre de ces contraintes qui sont liées à l'exercice euh, de leur emploi. Alors, deux, deux délibérations, une qui concerne le logement et notamment euh, le régisseur du, du camping et son adjoint euh, pour lequel la nécessité de service est de, de rester sur place euh, pendant la période de, de leur activité, c'est-à-dire entre le 28 mars et le 4 octobre de l'année 2022, euh, et le fait d'accorder la mise à disposition de ce local. C'est-à-dire le, le chalet dans lequel euh, ils sont hébergés euh, la nuit euh, et, dans, et dans leur moment euh, où ils sont présents, là, ça constitue, euh, au regard des dispositions fiscales, comme étant un avantage à nature qu'ils doivent réintégrer dans leur euh, euh, déclaration d'impôt. Et là, de façon réglementaire, que ce soit pour la partie euh, logement ou que ce soit pour la partie alimentaire, euh, dont je vais vous reparler après, euh, il y a des règles qui sont des règles fiscales qui sont différentes dans les deux situations, mais pour autant qu'ils sont expliqués dans votre délibération. Et pour ce qui concerne le logement, c'est lié à la, au niveau du revenu. Et qui, qui fait attribution en fonction de l'espace euh, qui est accordé, une, euh, une, une somme à reporter dans leur déclaration de revenus. Et bon. puis la deuxième délibération, sur le même principe, euh, concerne l'avantage en nature qui, là, est attribué au personnel euh, qui euh, sont dans les cantines et qui donc, bénéficient d'un avantage en nature au titre des repas euh, qui sont servis dans les cantines où ils le, opèrent, à savoir la cantine de Bossé, Cuon, Échemiré et Le Vieil-Baugé. Dans le cadre de ces missions, là aussi, bénéficiant de cet avantage, les services fiscaux euh, considèrent que la fourniture d'un pas à titre gratuit doit être évaluée à hauteur de 5 euros par repas. Et c'est cette somme qui est prise en compte dans l'avantage en nature qui leur est accordé autre, au titre fiscal que je viens oui. de vous énoncer. Très bien, merci Jean-François. Bon, c'est des décisions qu'on prend habituellement. Vous avez, pour ceux qui sont là depuis quelques temps, on, on, on vote régulièrement ces avantages en nature. C'est réglementaire, comme c'est des postes qui sont contractuels pour certains, ben on est obligé de revoter. Voilà, donc euh, pas d'observation, je mets au vote. Y a-t-il des personnes qui sont contre Des personnes qui s'abstiennent Merci. Je donne la parole à Vincent Ouvrard pour la création d'un poste euh, sur euh, l'environnement. Oui, donc c'est dans le cadre du service civique, nous avons donc recruté une, une personne, une jeune du territoire. On a eu la chance d'une jeune du territoire qui, qui soit en. Enfin, ses études on, on correspondent à ce qu'on qu voulait. Donc voilà, elle a un BTS, Gestion de la protection de la nature. Donc elle est, euh, elle est, voilà, elle, elle est à fond dedans, bien qu'elle est très motivée. Donc elle va s'occuper surtout de la partie animation, l'animation qu'on qu a mis en place avec le, avec le département sur les, sur les espaces naturels sensibles. Et aussi les animations auprès des campeurs, du centre de loisirs. Les temps pédagogiques sur les aussi un petit peu travaillé là-dessus. Mobiliser des citoyens participer au fleurissement des pieds de mur, donc elle a quand même pas mal de, de travail à faire, huit mois. Ça se passe très bien, elle a l'air euh, très autonome, donc ça arrange très bien RL Sanchez, ça la, ça la décharge un peu du, du travail qu'elle a à faire. Pour le moment, ça se passe très bien, donc euh, bon. on est content. Très bien, donc je vous propose de créer le poste si le président de la commission environnement est très content. Je vous invite à ne pas le décevoir parce qu'après, il pourrait être vexé. Voilà, donc euh, on a besoin de renforcer le service parce que c'est vrai qu'il y a un peu de travail là aussi. Pas d'opposition, pas de vote contre, tout le monde est favorable. On poursuit. Je donne la parole à Laurent Biteau pour la création d'un poste en voirie. Ensuite, ce sera Annette Sanson. Alors, ce serait plutôt en, en espace vert. Hein. Euh, voilà. Ah, D'accord, oui, Donc là aussi, c'est pour faire face aux besoins. On a besoin de créer un poste, donc euh, euh, espace vert, donc en, en, en CDT, tout simplement. D'accord. Bon, donc. Euh un poste occasionnel, comme on dit habituellement. Il n'y a pas de vote compte, pas d'abstention. C'est adopté. Annette, sur le CCAS. Donc du coup, c'est pour renouveler les deux postes occasionnels du CCAS pour le portage de repas. Donc ce sont des, des postes qui existent déjà, mais il faut les renouveler puisque le portage de repas nécessite une présence de six jours sur 7. Donc il, il faut qu'il y ait un, un petit roulement au niveau du personnel. Très bien, donc pas d'opposition, c'est habituel là aussi. Y a-t-il des personnes qui sont contre, des personnes qui s'abstiennent Merci. Règlement des astreintes. Alors c'est pas compliqué. Alors nous avons un service d'astreinte à beaujolais Anjou. Les agents sont mobilisés euh, la nuit et le week-end euh, à tour de rôle. Ils sont bien sûr rémunérés de manière significative avec un forfait et par le biais d'air supplémentaire lorsqu'ils se déplacent simplement l'idée ça a été d'ouvrir d'étoffer l'équipe et d'ouvrir notamment aux services euh, au service événementiel voire euh, espace vert voirie. donc euh, l'idée c'est de, de faire que l'astreinte n'ait lieu qu'une fois toutes les six semaines hein, donc on réduit effectivement le, le nombre de, de possibilités. Et euh, donc, jusqu'au 31-12-2021, c'était assuré par le service bâtiment événementiel. Vous avez le règlement qui ne change pas, mais là, c'est tout le pôle qui va pouvoir effectivement intervenir. Parce qu'en en fait, au départ, on pensait que c'était que les bâtiments, mais des fois, c'est pour aller euh, euh, ben, enlever une branche, un arbre, tomber sur la route. Donc, euh, ce service espace vert va pouvoir euh, intervenir. Voirie peut intervenir. Ça peut être des panneaux à mettre, ça peut être de la signalétique. Voilà, c'est très varié en fait. Ce n'est pas seulement limité. Au service euh, euh, bâtiment. Donc, on élargit sur la base, bien sûr, du volontariat. Et nous avons des volontaires parce que c'est aussi un moyen d'avoir un, un complément significatif de rémunération. Voilà. Est-ce que vous avez des, des suggestions Oui, Jackie. Juste préciser qu'en plus, ils seront dotés d'un véhicule équipé pour les astreintes. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Donc, dans les investissements, il y aura aussi ce véhicule prêt pour intervenir sur toutes les sortes d'astreintes qu'ils ont aujourd'hui. Tout à fait très juste. On fait l'acquisition d'un véhicule spécifiquement équipé, enfin spécialement équipé, parce que pour que les gars interviennent en Europe, voilà, dans les conditions de sécurité optimales. Voilà. Donc voilà, bon, sur le règlement des abstracts, oui, Joël Quand les agences sont abstraites, il y en a un à la fois ou plusieurs Alors aujourd'hui, c'est un. Euh, ça va pouvoir, euh, on va pouvoir regarder, parce qu'en fait, on, on est en train de réfléchir à un sujet, c'est-à-dire que euh, parfois, euh, il faudrait quelqu'un qui puisse filtrer l'accueil, enfin, l'appel. Parce que parfois, l'agent qui est envoyé, euh, ça ne correspond pas à sa spécialité. Donc, on est en train de regarder de manière à ce que, si c'est un, un problème espace vert, qu'on puisse mobiliser le gars d'espace vert. Si c'est un problème bâtiment électrique, un gars bâtiment électricité, enfin, voilà. Mais euh, aujourd'hui, il y a un seul agent qui est d'astreinte. Au téléphone. Il y a un agent au téléphone aujourd'hui. Le, le coût du téléphone, c'est. Voilà. Mais l'idée, c'est de pouvoir flécher. Je, je trouve qu'on a un service là-dessus qui est assez exemplaire, que peu de communes ont, en fait. La à notre niveau n'existe pas partout. Hein. Et je peux vous dire que ça permet de simplifier les choses. Alors, on ne résout pas tout, bien évidemment, mais ça peut permettre de régler les choses. Ok. Pas d'autres questions Très bien. Je mets au vote. Y a-t-il des personnes qui sont contre des personnes qui s'abstiennent. Merci. Alors, le RIFSET et modalité de versement. Donc, euh, le RIFSET, euh, palam, palam, voilà. Euh, C'est un système indemnitaire hein, qui permet euh, de rémunérer euh, les agents en fonction de la mission rendue. Donc, on a effectivement euh, plusieurs euh, modalités. Hein, on a le on a le, le, dans la RIF-7, on a une partie entre guillemets euh, fixe et, et puis une partie CIA qui, qui varie en fonction du service rendu. Donc euh, aujourd'hui, euh, l'objectif qu'on a, donc ce, ce règlement a été voté il y a plusieurs, euh, plusieurs années déjà. Hein, donc ça fonctionne, ce qui permet pour les agents d'avoir un complément. Euh, donc euh, euh, principe de parité avec la FPE, Madame Roux. Voilà. Je cherchais tout à l'heure, voilà, tout à fait. C'est-à-dire qu'on a ajusté notre RIF-7 avec les fonctionnaires d'État, puisque les fonctionnaires territoriaux ne sont que des fonctionnaires territoriaux. Donc il y avait un petit écart, donc on a ajusté là aussi. Euh, et puis, euh, actuellement, on verse le RIF-7 en cas de congé de longue maladie, de longue durée et grave maladie. Donc c'était prévu dans la euh, le, le délibération du 26 juin 2017. Donc pour être en conformité. Euh, avec la réglementation, nous ne pouvons pas normalement verser l'indemnité du service rendu à une personne qui est en arrêt maladie. Ça tombe sous le sens, mais ça nous avait échappé et donc en fait on, on actualise à ce niveau-là. Voilà. C'est simplement l'ajustement et on est très attentif au, au travail qui est fait par les agents et je peux dire que globalement euh, on a un service de grande qualité avec des agents qui sont impliqués et qui aiment leur mission. Et on voit que on a des jeunes là qui sont arrivés et ça donne un petit coup de, un petit coup de sang neuf. C'est plutôt intéressant. Voilà, donc ce que je vous propose, sans rentrer davantage dans les détail, sauf si vous le souhaitez, euh, effectivement, de euh, valider ces ajustements. Encore une fois, il ne s'agit pas de révolutionner les choses, mais d'ajuster euh, ce règlement. Pas de questions Je mets au vote. Y a-t-il des personnes contre Des personnes qui s'abstiennent Merci. Je donne la parole à Madame Sanson pour la dénomination de la salle de tennis de table à Beaugé. Oui, en effet, nous avons été sollicités par M. Julio Santos, qui est le président du tennis de table, pour nommer la salle de tennis qui est située donc à Beauregard. Et le nom qui a été proposé est Jacques Renaudin. Donc il faut savoir que la commission vie associative et sportive et le conseil communal de Beaugé ont donné un avis favorable à cette proposition, puisque M. Renaudin s'est beaucoup investi et s'implique encore dans la vie du club. Voilà l'objet de la délibération. S'il y a un bénévole exemplaire, on en a beaucoup sur beaujardin d'Anjou M. Renaudin compte parmi ses bénévoles exemplaires. Il a été président, secrétaire, trésorier, entraîneur et joueur. Voilà, et donc je trouve que l'initiative de Julio Santos est... Est vraiment bienvenue. Donc, euh, je vais vous proposer de valider la proposition de Madame le maire délégué de Baugé, validée aussi par le conseil communal de Baugé. Voilà, je vous propose, de, pour, en signe de remerciement pour Monsieur Renaudin, pour tout le travail qu'il fait et qu'il continue de faire, de vous manifester par un vote à main levée. Ceux qui sont favorables, s'il vous plaît. Ceux qui s'abstiennent. Ce qui serait compte, mais je pense qu'il n'y en a pas. Donc cette euh, dénomination est euh, validée à l'unanimité. Monsieur Renaudin sera euh, très heureux, ainsi que l'Olympique euh, tennis de table. Pour terminer, euh, syndicat intercommunal de valorisation, le CIVER, il nous faut la désignation d'un membre enfin, du comité de suivi. Et en fait, on avait déjà quelqu'un qui s'en occupait, c'était Vincent Ouvrard. Donc je vous propose de reconduire Vincent dans ses fonctions et de le désigner à nouveau pour être présent dans le comité de suivi du CIVER. Il n'y a pas de candidat. On laisse la place à Vincent. Bon, il y tient beaucoup, donc on va valider. Je vous propose de lui accorder notre confiance à nouveau. Y a-t-il des personnes contre Des personnes qui s'abstiennent C'est adopté à l'unanimité. Voilà, mesdames et messieurs, se termine ainsi notre conseil municipal. Un petit peu long, mais il y avait tellement de sujets importants pour notre territoire que c'est important de les traiter précisément, de bien les expliquer. Je ne sais pas si nous avons encore beaucoup de bourgeois qui sont d'ailleurs leur écran mais oui ça suit quand même me dit-on donc euh, c'est formidable je trouve que on a de plus en plus de personnes qui s'intéressent à la vie de notre commune et ça c'est bien voilà je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne nuit reposez-vous bien et à très bientôt pour le, le vote du budget au mois de février merci bonne soirée merci